Elisabeth de Caligny, bonsoir. Bonsoir Olivier. Bienvenue dans Il faut conscience, enfin. Eh bien écoutez, en tout cas, je suis ravie et je vous remercie de m'avoir invitée. C'est un vrai plaisir et c'est un honneur. Donc, j'espère qu'on va passer un bon moment. Et moi aussi, je suis très content de vous recevoir. Donc, on va commencer cette émission avec une petite présentation, même si vous n'êtes pas totalement inconnu dans le milieu ufologique. À l'âge de 9 ans, vous entrez dans le petit monde de l'étrange avec une première observation OVNI en compagnie de votre grand-père. Racontez-nous. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, j'avais 9 ans. Ouais, exactement. C'était les vacances de Pâques et j'allais avoir 9 ans. Je ne les avais pas encore. J'allais les avoir. C'est les vacances de Pâques et on était dans un petit village qui s'appelait Colombier, qui se trouvait à côté de Vesoul. Et mon grand-père avait hérité de la maison d'une grande tante et il faisait le ménage, il y avait un fouillis dans le grenier, pas possible. Donc, tout ce qui était à jeter, allez hop, au feu. Donc, on avait fait un beau feu. Et la nuit était tombée, donc il y avait un beau feu, j'étais contente, on était dans le jardin. Puis d'un seul coup, alors, il y avait un très beau ciel étoilé. Et mon grand-père m'a toujours fait regarder le ciel, il trouvait ça très beau, donc il m'apprenait les constellations, les étoiles, enfin bon, bref. Et on était en train de regarder, et je vois une étoile énorme qui se déplace. Et je dis à grand-père, regarde, lui voit ça. Et ça vient juste au-dessus de nous, à notre verticale, c'était très haut dans le ciel, hein, et ça s'arrête au-dessus de nous. Et à ce moment-là, on a vu, mais alors, pendant la dixième de seconde, comme s'il y avait eu un rayon qui était descendu du truc, qui n'était pas descendu jusqu'au sol, hein, et qui était remonté tout de suite. Ensuite, l'étoile s'était encore un peu déplacée, et plouf, plus rien. Alors, vous voulez dire un peu comme une araignée avec sa toile, enfin avec un... Non, ça fait comme un fuseau de lumière descendu pendant un dixième de seconde et qui est remonté aussitôt. D'accord. C'était quand même large, hein. Je pense, peut-être un diamètre de... Je sais pas, de mémoire, j'en sais rien. Peut-être... La vue d'une petite fille n'est pas celle d'une adulte. Allez, au pif, ouais, je dirais 20-30 centimètres, hein, de diamètre. Mais c'est pas tombé sur nous, hein. C'était quand même dans le ciel, mais c'est descendu de l'étoile. C'était très blanc, très lumineux. Et puis ça, après, cette étoile s'est déplacée, ça a disparu. Et là, j'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai demandé à mon grand-père, qu'est-ce que c'est ? Parce que je posais toujours des questions en plus. Et ce brave homme, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu mentir. Et j'ai su qu'il mentait, il était très embarrassé, et tout ce qui m'a sorti, c'est « Ma chérie, nous sommes en pleine guerre froide, donc ça doit être un avion espion russe qui a vu notre feu dans la nuit et qui a voulu voir ce que c'était. » Et je me suis dit « Il se fout de ma gueule. » Alors, je ne me suis pas permis de lui dire. Oui, on pourrait penser qu'il a menti par peur. Il était pétrifié et nous n'en avons jamais reparlé. Ah oui. Mais bon, ce monsieur n'était pas un imbécile, il était sorti major de l'école centrale, c'était un ingénieur, il avait les pieds sur terre, mais je sais qu'il s'intéressait aux ovnis. Et il avait un grand ami qui était de la même promo que lui, je crois, ou qu'il avait connu pendant qu'il faisait maths sup, qui était le ministre des postes, qui s'appelait Robert Gallet, que j'ai rencontré chez lui quand j'étais petite fille. Et ce Robert Gallet, j'ai appris récemment, mais tout à fait par hasard, qu'il s'intéressait aux ovnis. Donc, je suppose que bien qu'il ne m'en ait jamais parlé, puisqu'on n'a pas eu d'entretien à ce niveau-là, mon grand-père en a certainement parlé à son ami, ça c'est possible. Oh, c'est même certain, je pense aussi. Je pense en tout aussi. Cas, le coup des avions russes, c'est pas passé. Pourquoi ? Parce que depuis que je suis toute petite, j'ai l'œil collé au ciel, j'ai passé mes dimanches à Orly, et je sais ce que c'est que des feux de bord d'avion. Et une étoile qui bouge et qui disparaît, où il n'y a pas de feu clignotant, pour moi, c'était pas un avion. Effectivement, ouais. C'est vrai que... Alors, mais c'est l'année suivante, en Savoie, que vous allez entendre parler de soucoupes volantes pour la première fois. Que s'est-il passé ? Alors déjà, il y avait eu quelque chose de très curieux, c'est que j'étais partie en colonie de vacances cette même année. C'était dans les Alpes du Sud, on était à Guillestre. Et il s'était passé déjà un drôle de truc à la fin du mois. C'est la seule fois, j'avais pleuré pour aller en colonie de vacances, en fait j'aurais pas dû, c'était un véritable cauchemar cette colonie, et on faisait de temps en temps des petites veillées, des machins, et puis un jour il y a eu une chasse au dahu,
Vous savez, en cours, on cherche je ne sais pas quoi, enfin bon, bref, et on était dans plusieurs équipes. Ma sœur n'était pas dans la même équipe que moi. Et voilà que d'un seul coup, quand on est rentré pour en fin d'après-midi à la colonie, il y avait les gendarmes et tout le bazar. Ma sœur, livide comme les autres gosses, et ils avaient retrouvé un animal mutilé, une vache mutilée. Et donc, on n'a plus le droit de sortir après du périmètre de la colonie de vacances. On a pu l'éveiller, ça a pu exister. Enfin, bon, bref, les vacances étaient gâchées. Heureusement que c'était la fin, à cause de cet animal mutilé. Et ma sœur l'a vu. Et je sais qu'elle était assez traumatisée. Et ça me rappelle bien les mutilations de bétail. D'autant que dans cette région de Guillestre, j'ai vérifié après. Alors, il y a des sources d'eau chaude, il y a beaucoup de fer, c'est assez volcanique. Et en général, vous savez que ça attire ce genre d'engins. Et il y a eu pas mal d'observations qui ont été faites dans la région de Gap et de Briançon, et c'est dans le coin. Et bon, est-ce que c'est... Franchement, j'aimerais bien pouvoir trouver une piste pour savoir ce qui s'est passé sur une enquête de gendarmerie en juillet 1966. Non, c'était en 60... Non, c'était l'année d'avant. C'était pas en 66, c'était en 65, cette histoire. Je me suis trompée d'année, vous voyez. Et c'était quand même un drôle de truc. Et puis, pour en revenir à la Savoie, alors là, on arrive à l'hôtel avec mes parents. Là, l'hôtel est complètement émoustillé, on ne parle que de ça. Sur la montagne en face, il y avait eu pendant plusieurs heures un objet lumineux du genre soucoupe volante qui était resté stationnaire. Et je me souviens que pendant toute la semaine, les gens nous ont rebattu les oreilles avec ça. Donc, si vous voulez, dans un temps extrêmement limité, on m'a parlé de choses quand même assez étranges. Je les ai vues. J'ai vu un truc, moi. Le reste, bah, c'est encore autre chose. Et après, j'ai toujours regardé le ciel. Et j'ai vu des drôles de trucs dans le ciel. Ça, c'est évident. Mais j'ai toujours été fascinée par le ciel et je continue à regarder. Et très souvent, j'ai fait énormément d'observations, y compris sur Paris. Et il serait intéressant de savoir s'il y a des photos de cet objet, si c'est resté plusieurs heures au-dessus de la montagne. Peut-être que même à l'époque, quelqu'un avait un appareil photo. Enfin, c'est peut-être, hein, parce que c'est vrai qu'à l'époque-là... les appareils photo ne couraient pas, c'était pas comme maintenant. Si on pouvait faire quelque chose, évidemment, mais les gens, comme c'était la nuit, ils auraient pris un coup de flash, on n'aurait strictement rien vu sur la photo. Et moi, j'ai pas entendu parler de photos concernant ce truc-là. On prend beaucoup mieux les engins avec du numérique à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai découvert, vu les 40 000 photos que j'ai encore à trier, peut-être plus d'ailleurs, et j'ai fait des photos très étranges où j'ai pris un triangle une fois, j'ai pris des drôles de trucs, hein. Y compris des soucoupes volantes, mais c'est minuscule, c'est très curieux. Enfin, ouais, bon, d'ailleurs, j'avais prévu la question pour le triangle après, ouais. Après durant l'émission, mais allez-y, je vous laisse continuer. Alors, ces trucs-là, moi, j'ai repéré en regardant les photos, c'est qu'en argentique, vous savez, bon, c'est une émulsion, bon, il y a très peu d'orbes, il y a très peu de trucs qui sont pris en argentique quand ce n'est pas matériel. Par contre, ce que l'on prend mieux avec le numérique, ce sont des choses qui ne se voient pas à l'œil nu, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la lumière réelle. Vous savez qu'il y a des champs de fréquence c'est ça pas du tout la même fréquence. Donc la lumière réelle, bah vous voyez sur un certain champ, puis à côté, juste à côté, vous avez l'infrarouge et l'ultraviolet. D'accord ? Et l'appareil numérique, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre ses photos à la limite de l'infrarouge et de l'ultraviolet. J'ai découvert également que, et ça tout le monde le sait, ceux qui font des photos de ce genre de trucs, c'est le coup de flash qui va permettre, si vous voulez, de voir de façon très fugace, parfois à l'œil nu d'ailleurs, hein, parce qu'on voit des fois ce qu'on photographie, mais ce qu'après, quand ça revient, vous voyez plus rien, eh bien, votre appareil, il va le prendre, parce que il peut aller à la limite de l'ultraviolet et de l'infrarouge, ce qui veut dire que ce qui n'est pas visible avec notre équipement qui nous permet de voir la lumière réelle, peut l'être par l'appareil photo. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, avec une nouvelle technologie photographique, on aura beaucoup plus sur les photos d'anomalies photographiques. Et c'est pas de la poussière. Hein. Voilà. C'est vrai que... Alors après, les orbes, si on parle des orbes, il y a... Alors des fois, on peut quand même photographier de la poussière, on est d'accord. Alors mais c'est reconnaissable.
C'est vrai que moi, ça m'est arrivé à Rennes-le-Château. J'ai photographié une espèce d'orbe avec une queue bleutée. Bon, là, on est sûr et certain que ce n'était pas une poussière. En plus, c'était un truc assez gros, assez massif. Donc, c'est vrai que voilà, ça existe. On peut photographier, comme vous dites, avec des appareils numériques, des choses quand même très étranges, des choses qu'on ne peut pas expliquer, voilà, inexpliquées, hein. Ah ben c'est sûr, et puis dans les orbes, moi j'ai eu plusieurs fois des têtes de grille, hein. Ou des têtes d'humains, des fois des assemblées d'humains en robe blanche, c'était très visible. Et mon ex-conjoint était un grand photographe. Donc quand on était séparés, quand j'ai commencé à faire ce genre de photos, mais on a toujours gardé de bons termes. Quand il a commencé à regarder mes photos, il m'a fait waf waf waf. Bon, puis après il a regardé de plus près, puis il a vraiment regardé de près, et puis après il a compris que c'était pas de la poussière. Et le problème, c'est que quand vous vous intéressez au sujet, et le sujet s'intéresse à vous. Donc lui, qui n'avait jamais eu de photo d'orbe pendant 50 ans de carrière, a commencé à se retrouver avec des orbes sur ses photos. Il n'était pas content. Ah bah oui, Voilà. comme Et quoi, quand vous vous intéressez au phénomène, il s'intéresse à vous. Ça, c'est clair. Alors qu'est-ce que c'est? Mystère et boule de gomme. mystère et boule de gomme, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais. Alors au J'ai des milieu petites des idées, mais bon, voilà. Mais je pense que ça peut être lié au phénomène OVNI. Ah Parce oui, que c'est ça marche sûr, c'est toujours par deux. possible, Vous c'est remarquerez que possible. Ouais. les orbes sphères que vous voyez, les orbes OVNI que vous voyez, eh bien, ceux qui savent très bien ce que c'est que les orbes et qui en photographient régulièrement, eh bien, ils se rendront compte que les vrais orbes marchent toujours par deux. Ils sont toujours en binôme. Toujours. Ah, ça, j'avais pas fait ce lien-là, moi. Ouais. Alors des fois, vous pouvez avoir un énorme orbe avec un tout petit point d'énergie. Mais moi, quand je vois un orbe qui m'intéresse, je me dis où est l'autre? Quel est son pendant? D'accord. Bon, c'est un point que vous soulevez qui est intéressant, parce que c'est la première fois que j'entends ça, en plus, parler de ça. J'en ai pris des photos. J'imagine. Alors, au milieu des années 70, vous commencez à constituer une bibliothèque ufologique qui est devenue avec le temps très complète. Ah oui, ça, c'est un cauchemar pour la famille. Ma mère se tirait déjà les cheveux quand je vivais chez elle et que j'ai commencé à entasser. Puis alors maintenant, dans la maison, il y en a partout. J'ai une pièce entière dans la maison voisine qui ne sont que des bouquins d'ufologie. Et j'ai quelques pépites, parce que quand j'ai commencé à acheter dans les années 70, j'ai des trucs qui sont complètement épuisés, que vous n'en trouvez plus. Vous voyez, par exemple, le Ah bouquin oui, des d'Orsay, collecteurs. à des Ah collecteurs, des machins qu'on ne retrouve plus. Et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux à mes bouquins. Hein. J'en ai partout parce que j'aime ouais. le papier. J'imagine les premiers livres de Jacques Vallée, des choses comme ça, les J'ai tout, premiers tout. ouvrages. J'ai des bouquins en anglais, j'ai des bouquins en français. Même quand je lis mieux l'anglais depuis quelque temps, puisque si je veux faire mes sujets correctement, je suis obligée d'aller en anglais. J'ai jamais été un chef en anglais, mais alors là, ça m'est revenu. Je vous dis pas que je le parlerai, mais en tout cas, je lis couramment maintenant. Hein. Je C'est déjà lis. pas mal, c'est Ah déjà pas ouais. mal. Et donc, je me suis mis il n'y a pas longtemps à relire des livres que j'aurais pas eu autant de facilité à lire que maintenant. Comme quoi, ça m'apporte quelque chose de faire mes petits comptes, c'est que je suis bien meilleure en anglais et je suis très bonne en espagnol maintenant et je comprends même une conversation couramment en espagnol. En un an de temps, je me suis sidérée, j'ai fait de gros progrès. Félicitations, félicitations. Alors, je continue cette présentation. Nous sommes en 1978 et là, vous revoyez, ma langue a fourché, vous revoyez un ovni cette fois au-dessus de Paris. Ouais, j'étais en train d'attendre mon petit ami qui arrivait pas parce qu'il était toujours en retard évidemment, et il y avait de l'orage dans l'air. Et je me suis dit en plus, j'ai horreur de l'orage, on va sortir au moment où ça tombe. Bon, et puis l'appartement où je vivais n'avait pas de vis-à-vis. Il y avait une école en face, mais j'étais plus haute que le toit de l'école, donc j'avais vu sur les collines de Saint-Cloud, puisque j'habitais dans le 16e à l'époque. Et d'un seul coup, je vois une espèce de truc, comme une espèce d'orbe, mais vert, vert, vert fluo, hein. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ça n'allait pas très vite, hein. Et d'un seul coup, ça a accéléré et ça a éclaté comme une gerbe. Plouf, plus rien.
Et je me suis dit, ça alors, c'est pas possible. Alors, le petit ami est arrivé, et puis on a pris la voiture, les quais et tout, et les embouteillages, il y avait de l'orage, il pleuvait. Et il y avait des gens, alors très curieusement, sur le quai, qui s'étaient amusés à faire un feu de Bengale. De ce temps-là, fallait être idiot, mais enfin bon. Et c'était vert fluo. Et c'est arrivé, et quand j'étais en train de lui parler de mon truc qui m'avait vraiment impressionné, je lui dis, bah tiens, c'est exactement comme ça. C'est exactement la même couleur que le feu de Bengale. Voilà. Mais ça, ça m'avait impressionné. Puis après, j'en ai vu d'autres au-dessus de Paris. J'ai vu plusieurs fois des cigares qui tournaient autour de la Tour Eiffel. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Une fois, j'allais au palais de justice, donc plaider une affaire. J'étais en taxi. Et je dis au taxi, mais attendez, arrêtez-vous, regardez ça. Mais c'est quoi ce truc-là ? Alors bon, il a réussi à s'arrêter, il est sorti, puis on a été s'arrêter un peu en biais sur un pont comme si elle me déposait. Et ouais. On a vu pendant 5 bonnes minutes un espèce de tuyau argenté, vous voyez. Bon, je dis cigare, mais ça ressemblait plutôt à un tube. Et le gars, il n'avait jamais vu ça de sa vie. Alors ça se déplaçait lentement, c'était un peu au-dessus de la Tour Eiffel, c'était pas la même hauteur. Vous êtes certaine qu'il ne peut pas s'agir d'hélicoptère à l'époque ? Ah, pas du tout, ça ressemblait vraiment à un tube, le soleil reflétait dedans et d'un seul coup, ça a disparu. Ah oui. Et le chauffeur de taxi, il en est resté complètement baba et j'ai vu deux fois ce genre de truc. Eh ben, voilà. C'est très étonnant. Paris, hein. Ah oui, en plein Paris, en plus, autour de la Tour Eiffel, c'est un endroit stratégique. Et puis à 9h du matin, il y a beaucoup... 9h du matin, hein. Ben, en plus, il y a beaucoup de touristes, donc c'est obligatoire qu'il y a eu beaucoup de témoins, si c'est le cas. Hein, voilà. Les gens ont l'idée de lever le nez, parce que les gens regardent devant eux, ils regardent leurs pieds. Il y en a très peu qui lèvent le nez. Pourquoi je vois tout le temps des trucs, moi ? C'est pas parce que je suis plus douée que les autres, mais que j'ai le nez tout le temps en l'air. Comprenez ? Enfin, là on pourrait quand même imaginer que ce jour-là, les touristes avaient le nez levé, puisque c'était justement la Tour Eiffel, en plus. Hein. Ah, mais là c'est certain qu'il y a des gens qui ont pris des photos ce jour-là. Ça, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Voilà, peut-être 6 ou 700 mètres au-dessus de la Tour Eiffel. C'est un truc que j'ai estimé faire entre 6 et 8 mètres de long, quand même. On aurait dit un gros tube. C'est pas rien, hein, c'est pas rien. Mm-hmm. Et vous avez même réussi à faire une photo d'un ovni triangulaire. Dans quel contexte ? Alors ça, c'était là où j'habite, ici. Et comme je photographie à mes orbes, alors moi, je photographie à l'aveugle, hein, parce que je ne sais pas ce qu'il y a, donc je donne des coups de flash. Et puis, c'était un début juillet, il y a quelques années. Alors, je ne me souviens plus, je n'ai plus la date en tête. Et je photographie le chemin là, qui est juste à ma droite et qui rejoint une autre route, parce que je suis dans une impasse au bout d'une espèce de petite route. Et je photographie la route comme ça au hasard. Et je vais faire 5 photos de suite. Mais la première, immédiatement, j'ai vu dans le flash, à une 50aine de mètres de moi, j'arrive pas à m'imaginer la distance, mais peut-être une 50aine, un objet qui avait l'air posé au sol, qui était brillant, mais le temps du coup de flash, vous voyez, je me suis dit, c'est quoi ce truc-là ? Et puis bon, j'ai continué machinalement ma série de photos en me déplaçant, et j'ai 5 photos où on voit le triangle, mais comme le triangle belge, avec les 3 feux, et puis le truc se rapproche, puisque j'avais des repères face au buisson qu'il y avait à l'époque, et plus ça se rapproche, plus ça diminue. Si bien que on n'a plus que le squelette du triangle avec les 3 points devant un arbuste. Et c'est comme ça que j'ai pu comprendre que ce machin ne faisait plus que 60 cm quand il s'est rapproché de moi. Alors que quand je l'ai vu de loin, c'était un machin qui faisait quelques mètres de diamètre quand même. Ou de long. Vous voyez, parce que j'ai vu qu'une carlingue avec le métal et le truc, le flash a tapé dessus. Bon, ensuite, sur les 3 autres photos, on voit le truc qui s'envole, qui disparaît et qui devient une sorte de plasma. Donc, j'ai 5 photos de suite sur ce machin où la première photo, c'est un triangle qui se rapproche. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il devait y avoir, par rapport à ce que j'avais vu très brièvement à l'œil nu et ce qu'il y a sur les photos après, où ça se rapproche, visiblement, vu les buissons que je reconnais. Et je pense qu'il y a eu un effet de perspective inversée. Ce qui veut dire que plus l'objet se rapprochait de moi, plus il diminuait. C'est-à-dire que... Comment vous dire ?
Allez-y, prenez le temps. Plus il se rapprochait, plus il s'éloignait. C'est pour ça qu'il diminuait. Oui. C'est comme s'il y avait une flèche du temps contraire. Ouais. Donc, plus il se rapprochait, il avait l'air de se rapprocher visuellement sur les photos, plus en fait, il était en train de s'éloigner. C'est pour ça qu'il rapetissait. D'accord. Vous voyez le truc de fou, c'est ce que j'ai imaginé, hein, parce que c'était pas logique cette histoire. Bon, en tout cas, on pourrait dire que vous êtes ce qu'on appelle un témoin sélectionné, sélection des témoins, hein. Parce qu'avec toutes ces observations OVNI, c'est pas le simple hasard, on est bien d'accord, enfin, même vous ouais, en êtes consciente. Je pense pas que ça relève du hasard, et puis alors en plus, j'ai quand même pas mal de gens qui ont vu avec moi, ma mère d'ailleurs aussi. Et en maman, en plus, elle trépigne si on lui raconte certaines choses. Elle n'aime pas ça, mais bon, elle a quand même vu. Et puis, j'ai des amis qui ont vu. Et je me souviens d'une fois à Paris, porte de Saint-Cloud, j'attendais une amie pharmacienne qui ne croyait pas du tout à ces trucs-là, d'ailleurs. Et j'attendais en terrasse, elle arrive, et au-dessus de l'église Sainte-Jeanne de Chantal, à 7h du soir, en plein jour, en plein été, hein, on a vu un balai de sphères roses. Alors moi, je voyais des lumières rose-orange et elle voyait des sphères. Elle a décrit ça comme étant comme des lentilles optiques concaves. Et moi, je voyais pas la même chose qu'elle, ce qui est quand même assez étonnant. C'est-à-dire qu'on voit les trucs se déplacer en même temps de droite à gauche, monter, descendre. C'était au-dessus de l'église, hein, à 40 mètres, 50 mètres au-dessus. Et mais nous ne voyons pas la même chose. Ça arrive aussi. Oui, ça c'est fréquent aussi dans les témoignages OVNI, des personnes qui ne voient pas la même chose. Ouais, ou alors, moi ça m'est arrivé, moi j'ai piqué une crise une fois parce que je voyais un truc, c'était vraiment devant notre nez. Mon ex-mari était là, maman aussi, je leur disais « mais enfin, regardez !» Et ils me disaient « mais t'es complètement folle ma pauvre fille !» Je disais « mais enfin, je suis pas folle, regardez, c'est énorme !» Et bien, il y a avec moi qui le voyaient, ils m'ont pris pour une hystérique parce que je me suis mis à faire des bonds et je suis partie très mauvaise humeur. Et c'était quoi exactement? Une grande lumière blanche. Une grande lumière blanche. Alors ça, et ça fait eux n'ont une... rien vu du tout. Rien. Mais une grande lumière blanche qui se déplace. Vous avez l'impression que la lumière est liquide. C'est d'une blancheur, mais incroyable. Et ce n'est pas une lumière normale. C'est comme liquide. Je ne peux pas expliquer ce que c'est. Et puis, ça, d'un seul coup, ça va disparaître en douceur. Plouf, plus rien. Et puis, vous pouvez vous retourner. Il y en a une autre. Le nombre de fois où je me retourne, et puis il y en a une autre derrière, vous voyez. Et ça va faire exactement le même phénomène. Surtout que je ne savais pas quand le placer, mais il faut préciser aussi aux téléspectateurs, enfin aux youtubeurs, que vous avez été avocate durant 30 ans. Donc, peut dire très rationnel à la base. Ah, puis à la base, puis je le suis restée, pourquoi? Parce que quand vous avez la tête encore dans les étoiles... Ah non, encore, non, non, ouais. Moi je suis en retraite maintenant, mais je continue à travailler sur ces trucs-là. Je m'y suis intéressée depuis les années 70, comme vous l'avez rappelé. Ça n'a pas fini de m'intéresser parce que maintenant j'ai la chance, comme je suis un petit peu connue, que les gens se confient à moi. Donc j'ai de plus en plus de gens qui me racontent à titre confidentiel, ce que je ne répéterai pas évidemment, leurs histoires. Et je dois dire que maintenant je connais bien la musique. C'est pour ça que je m'intéresse aux abductés d'ailleurs, parce que avec tout ce que j'ai raconté et tout ce que j'entends, c'est un phénomène. De toute façon, c'est une dimension de, enfin, un périmètre dans l'ufologie qu'il ne faut pas écarter. Il n'y a pas que la tôle et boulons. Je crois que c'est même le plus important, l'abduction, que tout le reste. Même si ça paraît... Alors, ça tombe très bien, puisque j'avais l'intention de vous faire parler des abductions. Oui. Les enlèvements par des extraterrestres. Alors, quelles sont, d'après vous, les similitudes entre chaque cas? Oh, de toute façon, je vais vous dire, d'abord, il y a systématiquement, c'est rarissime qu'il n'y ait pas ça, une histoire de contrôle mental. C'est-à-dire que les gens ont comme des zombies à l'endroit où on veut qu'ils aillent. Okay, alors, il n'y a pas forcément des gens qui auront les souvenirs d'avoir été emmenés, hein, d'avoir subi des choses désagréables. Mais en tout cas, le contrôle mental, ça c'est certain. Et puis, souvent, les gens vont avoir, et ça arrive très souvent, des problèmes avec tout ce qui est électrique, électromagnétique, machin bidule. Ils vont avoir l'impression, parfois, d'entendre des voix, d'avoir des trucs qui cliquettent, qui clignotent. C'est très souvent, hein, ces cas-là. Et puis, ils peuvent avoir aussi des phobies absolument terribles pour certaines choses qui sont anodines et qui ne méritent pas une telle phobie. Des angoisses. Ah, des angoisses phénoménales. Ah oui. Oui, et puis, ça, je confirme. Voilà. Et si vous leur demandez comment ça se passait quand ils étaient petits, bah, la plupart du temps, ils crevaient de trouille la nuit, il fallait qu'ils dorment la lumière ouverte.
Voilà, c'est tout. Ou entouré de peluches partout. Ou entouré de ce que vous voulez, de peluches, oui. Ce soit rassurant. Ouais, voilà. Exactement, oui, oui, comme une sorte de barrière, hein, c'était ça. Hein. Oui, et puis bon, il y a surtout le truc aussi, c'est que je me rends compte de plus en plus, c'est que une fois qu'ils sortent un petit peu, alors ça dépend à qui, avec qui ils ont affaire, majoritairement c'est des gris hein, qui approchent les gens, mais des fois il y en a d'autres qui sont un peu plus bienveillants. Encore qu'il faille se méfier, parce que les beaux blancs, ce n'est pas forcément des gentils. Hein. Attention, il ne faut pas se fier aux apparences, parce qu'ils ont l'apparence, je pense qu'ils présentent l'apparence qu'ils veulent qu'on voit, parce que précisément, ils manipulent notre cerveau. Voilà, et ça, John Mack l'avait fort bien décrit, ils nous font prendre des vessies pour les lanternes, hein, parfois. Donc vous pouvez voir un beau blanc, et si ça se trouve, c'est un nain de jardin qu'il y a derrière. Alors effectivement, on va en parler si vous le voulez bien. Vous pensez également à une forme de contrôle des témoins expérienceurs. Hein. Ah moi, je suis convaincue qu'on est contrôlé dans ces cas-là, bien évidemment. On va là où on veut. Et j'ai raconté moult histoires. Là, je suis en train de terminer l'écriture de mon bouquin. Donc, je suis en plein dans les trucs des abductés. C'est systématique. Même des êtres qui semblent, somme toute, bienveillants, hein, qui ne vont pas découper en morceaux les gens pour leur piquer je ne sais trop quoi, ou s'occuper de leurs ovules ou de leur sperme, eh bien, même des gens qui vont tomber sur des entités bienveillantes vont avoir un contrôle mental. Mais alors, j'ai envie de vous poser la question, dans quel but ça ? Ben, quand vous voulez que les gens y viennent, parce qu'ils sont ciblés, je pense que tous les abductés sont des gens qui sont ciblés depuis leur petite enfance. Je pense qu'il y a des lignées familiales aussi pour ce genre de trucs. Et finalement, puisqu'on parle des vies antérieures maintenant, de plus en plus souvent, je pense que c'est ciblé d'une vie à l'autre. Ça va même beaucoup plus loin que ça, l'histoire. Et résultat des courses, eh bien, ces gens-là sont sous contrôle. Et quand on a besoin d'eux pour une raison, pour X ou Y, eh ben, pour qu'ils viennent et que ça ne pose pas de problème, on les attire et puis c'est parti. Puis on leur fait voir ce qu'on veut leur faire voir. Alors il y a des choses, des fois on ne va pas prendre de gants, on ne va pas leur faire une mise en scène agréable pour les faire monter dans le truc. Hein. Donc je pense que c'est un très fort contrôle mental. Et que les gens, même quand ils sont plus sous le coup du rendez-vous avec l'abducteur, sont contrôlés toute leur vie. Moyennant quoi, ils vont faire des trucs parfois un peu bizarres, hein, penser des drôles de trucs. Par contre, beaucoup d'entre eux vont s'intéresser à des choses auxquelles ils ne s'intéressaient pas avant et souvent vont se diriger vers une forme de spiritualité ou de recherche spirituelle. Et ça, Mac était d'accord avec, sur ce point. On ne sort jamais indemne de ce genre de truc. Et très souvent, il y a une dimension spirituelle qui se greffe derrière tout ça. C'est pour ça que ça m'a amené à penser, et pas seulement ça, mais j'ai réfléchi beaucoup sur beaucoup d'autres choses depuis, c'est que l'abduction paraît épouvantable, et c'est épouvantable, attention. Ne dites pas, quand je vois les gens, oh, les extraterrestres, ah, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Ils ne sont pas gentils du tout, majoritairement. Hein. Et par contre, il y a une dimension spirituelle là-dedans. Et ça fait peut-être partie d'une... Je me suis posé la question de savoir si ce n'était pas une des épreuves... on a tous un chemin de vie, on a des épreuves à passer, on a des épreuves d'éternité. Est-ce que notre Terre, notre système solaire, la 3D où nous vivons... J'aime pas l'idée de matrice qui a tellement eu de choses justes, aussi injustes et nulles qui ont été dites là-dessus, que j'aime pas ça. J'irais une sphère d'enfermement où bah, y aurait des gardiens et pourrait y avoir ces êtres pas très sympas qui violent systématiquement le libre arbitre des gens et qui leur demandent pas leur avis pour faire ce qu'ils ont à faire. Et qui nous tiendrait là-dedans, dans une forme de karma éternel, jusqu'à ce qu'on trouve la porte de sortie. Et j'ai pensé à ça, parce que vous savez, Olivier, certainement, que je ne traite pas que des sujets ufologiques, même si c'est ça qui m'intéresse le plus, mais que je traite d'autres sujets, notamment sur les saints. Et puis, j'ai lu un livre majeur, j'ai mis 25 ans à comprendre, et pourtant, je n'ai pas un cerveau de moitrieuse, mais là, vraiment, je ne m'en sortais pas. Donc, il faut avoir une maturité spirituelle, je pense, ou je ne sais pas, d'âme pour lire ce truc. Ça s'appelle les dialogues avec l'ange. Et dialogues avec l'ange, ça vous parle des sphères d'enfermement et de la façon dont on peut en sortir. Et je pense que tous ces trucs-là, c'est lié,
que le paranormal, certains faits très, très curieux dans le cadre religieux et autres, bah, c'est la même chose. Ce sont les mêmes acteurs, mais qui n'ont pas la même, le même costume. Voyez, c'est ce que j'ai fini par penser. Alors là, bon, on en parle brièvement ce soir, mais le jour où je vais en parler, je donnerai mes sources, je donnerai mes explications, je serai d'une précision électronique. Voilà. Alors tout à l'heure en antenne, on parlait de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le lien possession et abduction. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Je pense que c'est exactement la même chose. Je viens de vous le dire, ce sont les mêmes acteurs, donc ils se présentent comme ils veulent. Et il y a certaines personnes... Oui, parce que vous pensez que certaines personnes qui se disent contactées sont en fait possédées, hein, c'est bien ça. Ah oui, moi j'ai vu des personnes à double personnalité, c'est-à-dire ouais, qu'il y avait une personnalité machin, puis une autre, c'était pas la même qui vous parlait. Et ça partait évidemment sur les extraterrestres gris, dont on vous disait, quand vous avez un des deux personnages, vous disait qu'ils étaient merveilleux, qu'ils venaient pour sauver la Terre, aider les humains, qu'il faut être gentil avec eux et pas leur faire de mal, et qu'il faut arrêter de dire du mal d'eux, bah tiens. Voilà. Et j'ai vu plusieurs fois des choses extrêmement étranges de cette nature-là. Donc je pense que c'est un phénomène de possession. Oui. Voilà. Et comment faites-vous la différence entre une personne... Ils sont capables de faire léviter les gens. Regardez les saints qui sont attaqués par le démon, ils lévitent. Oui, c'est ça. Ils tapent trucs en commun. Oui, c'est vrai. C'est pas le même scénario, mais ça revient au même. Et les gens ne meurent jamais. Hein, les saints, ils en prennent plein la tête. Le curé d'Ars, Padre Pio, Yvonne Aimée de Malestroit et tout, qui est tombé quand même plusieurs fois de plusieurs étages, hein. Elle se ramasse dans les hortensias, elle repart. Bon, elle n'est pas bien après, mais elle ne meurt pas. C'est vrai, c'est vrai. Ils se font fracasser la tête contre les murs. Bah, les abductés, c'est rare qu'ils meurent. Hein. On leur fait des trucs pas possibles, ils sont traumatisés, mais ils n'en meurent pas. Oui, c'est vrai que j'ai jamais entendu une histoire d'un abducté qui serait mort suite à un enlèvement extraterrestre, quelque chose comme ça. Non, j'ai jamais entendu. Hein. Quand il y a eu des décès, parce qu'il y a eu quand même des décès avec des trucs d'OVNI, c'était plutôt les rayons. C'était pas l'abduction qui faisait mourir. C'était les rayons des le rapprochement de l'engin, oui, en contact avec les humains, ça pourrait créer des morts, faire des meurs. Et puis il y a eu au Brésil. Il y a eu au Brésil il y a quelques années, ça date maintenant, mais il y a eu des attaques de la part de vaisseaux, et notamment, c'était pas de chance, parce que les gars qui étaient dans leur cambrousse, qui avaient fumé leur petite cigarette sur le pas de la porte le soir, pardon, et bien souvent se prenaient le coup de laser ou de je ne sais trop quel rayon qui venait d'un vaisseau qu'ils n'avaient pas vu, et ça pouvait les tuer ou les blesser grièvement. Et ça, un jour, j'en reparlerai, parce qu'on en parle très peu de ce qui se passe au Brésil, mais il se passe des trucs absolument ahurissants, hein, de toutes sortes. Alors, et on en parle très peu. Le cas de Colares au Brésil, j'avais fait une émission là-dessus, d'ailleurs, avec une Brésilienne. Donc, effectivement, c'est un cas qui est très connu. Hein, Elle était très bien, cette Brésilienne. J'avais l'occasion de la croiser. Ah, vous connaissez Francesca, c'est ça, Francesca? Je l'ai croisée, oui. Je l'ai croisée brièvement. Qui est très gentille. Hein, elle est charmante. Ah oui, elle est adorable. Adorable, c'est vrai. Alors, comment faites-vous la différence entre une personne mythomane qui raconte s'être fait enlever pour attirer l'attention et d'une personne honnête qui raconte simplement ses expériences ? Bah écoutez, on tombe rarement sur des mythomanes, déjà pour commencer. Ça peut arriver. Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est que des gens à qui il est vraiment arrivé quelque chose vont ensuite partir en live et vont broder. Et là, je pense que c'est du contrôle aussi, vous voyez ? Et ils vont plus parler que de ça et de machin, il leur est arrivé un petit truc dont ils se souviennent, et puis voilà. Mais des vrais, vrais, vrais mythomanes, il y en a, mais c'est 1 sur 100, je dirais. C'est-à-dire, c'est très rare, à mon avis. Et tous les gens qui partent sur des trucs comme ça et qui partent un peu en délire, eh bien, souvent, il leur est arrivé quelque chose de vrai. Et je vais même vous choquer. Je suis convaincue que Claude Vorillon, le fameux Raël, l'escroc de première, il lui est arrivé un truc là-bas. Décidément, Elisabeth, c'est marrant parce que dans l'émission d'avant, avec Jean Morissette, lui aussi a voulu me parler de Claude Vorillon pour me dire qu'il pensait qu'il avait peut-être vécu quelque chose de... Ah, mais j'en suis convaincue. Il lui est arrivé un truc au début, puis après, bah, il est parti en live.
Et puis après, il a compris que ça rapportait. Et allons-y, c'est parce parti. Que, alors, on rappelle vite fait l'histoire, c'était du côté de... C'était en Auvergne. C'était en Auvergne, au pied d'un volcan, quelque chose comme voilà, ça. Il aurait ça. Eu un contact avec des extraterrestres. Oui. Voilà, ouais. Ah, mais moi, je suis sûre, mais je le dis depuis longtemps. J'en sais rien, mais je le dis comme ça, au pif. Je suis persuadée que ce gars-là a fait une expérience et qu'ensuite, il a été probablement manipulé par ces entités-là. Puis après, il a joué le jeu et puis il a vu que ça marchait, que ça rapportait. Allons-y. Puis voilà, c'est tout. Oui, donc on est encore dans la manipulation. On est dans une manipulation. Ouais. Et je vais vous dire, pour ces êtres-là qui veulent se montrer, mais en même temps, ne pas faire passer les humains qui ont affaire à eux pour des imbéciles ou des délirants. Vous voyez, ben, il n'y a pas meilleur qu'un vaurien. Il a un contact avec des gris ou des pas gris, mais il y a des manipulateurs. Ensuite, il va avoir des obsessions pour raconter ses histoires, ses machins. Après, il va devenir gourou, il va faire de la course automobile avec l'argent de ses adeptes. Et voilà, il sera le messie cosmoplanétaire. Il se construit des soucoupes volantes, des machins, il raconte tout et n'importe quoi. Ben, quand on voit ça, on se dit, les extraterrestres, ben, ça n'existe pas. C'est des Raël et compagnie qui croient à ces trucs-là. Donc, voilà, c'est tout. C'est de la manipulation. Et je suis persuadée que le gars, il lui est arrivé quelque chose à la base. C'est certain. Mais il a peut-être été ciblé pour jouer les folles dingos. Alors, on va dire que voilà. C'est une théorie qui se tient, effectivement, qui peut se tenir. C'est une théorie comme une autre. Mais vous pensez vraiment pas qu'il y a certaines personnes qui attirent l'attention, qui ont besoin en fait d'exister à travers des récits complètement fantasques. Mais c'est évident, des mythos, il y en a toujours eu. Ah bah oui. On en croise partout, moi j'en ai croisé. Dans Regardez, je vais vous citer un petit exemple qui est d'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu cette enquête là qui s'est produite à EP, je crois, EP Sauvage. C'est une femme qui a pris, en fait, une supposée soucoupe volante dans son jardin, alors qu'elle disait qu'elle voulait prendre en photo son chien et son chat, enfin des choses comme ça. Et puis, elle a senti qu'il y avait quelque chose derrière elle, elle s'est retournée, elle a pris une photo. Le souci avec les photos, c'est qu'on voit très bien que ce sont des reflets d'une lampe. C'est-à-dire qu'elle aurait pris, en fait, de chez elle, à l'intérieur de chez elle, derrière une fenêtre... une lampe, tout simplement, qui fait penser à une sorte de soucoupe volante avec un reflet d'un miroir. Et on voit en plus l'encadrement de la porte en dessous de la lampe. Oui, oui, vous savez, bon. Le reflet de la lampe. Il y a des gens qui ont envie de rêver, et ça, c'est... Et oui, veulent faire partie du truc. Donc, ils vont frauder avec une photo et puis Exactement. Ils ne seront pas fins. Et puis voilà. C'est un cas, malheureusement, c'est un cas classique d'une personne qui vit seule et qui, pour faire parler un peu d'elle... peut-être en se sentant seule, elle s'est dit bah, tiens, je vais inventer cette histoire à dormir debout. Mais il y a des gens qui rêvent de voir des ovnis, qui rêvent de voir des extraterrestres, d'aller faire un tour en vaisseau. Les pauvres. Et je dis les pauvres parce que c'est pas une partie de plaisir. Moi, je vais vous dire, j'ai un vaisseau qui se pose dans mon jardin, je pars en courant, je reste pas, moi. Oui, mais Elisabeth, vous savez que malheureusement, à cause de ces personnes-là, il y a des enquêteurs qui perdent leur temps. Vous savez, il y a des enquêteurs, oui, au lieu enfin, de faire autre chose, eh bien, ils perdent leur temps avec des choses comme ça, qui sont pourtant des cas d'école, hein, des reflets, attendez. C'est un cas d'école. Hein. Attendez, ils ne vont pas perdre beaucoup de temps, Olivier, parce que les gens qui font des enquêtes, hein, j'en ai croisé quelques-uns en France et certains qui travaillent à l'étranger, sont des gens qui connaissent la musique, ok ? Donc, ils voient très bien, au pif, qui est qui. On a fini par avoir l'instinct. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me racontent des trucs. Je ne suis pas vraiment tombée sur des gens mythos, pas du tout. Pas du tout, même. Et je sais instinctivement, d'abord, ils vont tous me raconter avec la trame particulière, même si le scénario est différent, et je sais qui est qui. Et je sais, je sais que des fois, on me raconte des trucs, les gens pensent avoir vécu ça, mais ce n'est pas ça aussi. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Voilà. Mais je sais qu'ils ont vécu quelque chose. Et quelque chose qui les a profondément marqués.
Mais parfois, eh bien, précisément parce qu'ils sont sous contrôle, ils vont partir sur telle ou telle direction, avec des obsessions. Il y en a qui Et se prennent c'est pour là des qu'on revient. élus. Oui, on revient un peu de la possession, c'est-à-dire des personnes qui inventent exprès des choses alors qu'ils ont vraiment vécu des trucs Mais qui sont. Adamski, à mon avis, est un vrai contacté. Il lui arrivait réellement quelque chose, et puis après, bah, il en a rajouté. Et pourtant, quand on voit les photos, hein, franchement, quoi. Mais il lui est arrivé quelque chose, Ah Adamski. oui, mais ces J'en doute pas 30 photos secondes, c'est un vrai sont. contacté. Mais c'est vrai aussi que là, y a vraiment une forme de manipulation parce que quand on voit les photos de soucoupe d'Adamski, on a envie de rigoler, quoi. C'est des trucs Oui, mais. qu'on sortirait du placard et puis qu'on mettrait un fil de pêche. Et puis voilà, enfin, c'est tellement. Oui, mais on a fait le même coup à Billy Mayer, sauf qu'il y a des gens qui ont quand même examiné les photos, qui ont vu les trucs. C'est même soucoupe, voilà. Moi, je suis tombée récemment, j'ai mis ça sur mon Facebook, sur des petits retablos mexicains qu'on trouve dans les églises, où les gens racontent les misères de leur vie, merci les saints et la Vierge. Et des fois, il y a des histoires d'abduction. Et bien, sur certains que je n'ai pas encore publiés sur ma page Facebook, mais que je ferai, parce que je fais les traductions en espagnol pour que les gens. Parce que c'est chaque petit tableau est une histoire de contact, hein, ou de trucs. Ben, j'ai des soucoupes Adamski. Ouais, il y en a Donc, tellement. le mec du coin qui est dans sa cambrousse, il sait ce que c'est qu'une soucoupe Adamski au Mexique. Et vous savez que le cas Ah. Billy Mayer, ça c'est un personnage un peu comme Claude Vorillon qui a créé un peu sa secte aussi, hein, il me semble. Écoutez, j'irai pas une secte parce qu'il a tout perdu, il a rien gagné, il a eu que des ennuis, je crois que sa fille s'est fait enlever, il s'est fait tirer dessus, sa Voilà. femme, ça s'est mal terminé, il a eu que des emmerdes. Les gens ont envahi sa maison, il n'en pouvait plus, ça n'a pas été une partie de plaisir. Donc, on lui a fait le coup précisément des machins qui étaient avec un fil, c'est complètement bidon, ces maquettes, il les avait construites pour ses enfants, et après, il y a eu des trucs, mais il y a des vraies photos. Il y a des Américains qui sont venus avec de la technologie, qu'on fait, comment dirais-je, analyser aux États-Unis les trucs. Il y a des vrais enquêteurs qui sont venus, qui ont vu des trucs. Donc, c'est pas du pipeau. Les photos qui ont été prises en Inde quand il était bien avant d'être connu, avant d'être marié, avant tout ce qu'on veut, eh bien, il y a une dame qui avait un poste assez important, qui était là au moment où elle était petite fille, quand il a fait ses photos d'OVNI en Inde, qui n'ont jamais été remises en cause. Et j'ai vu encore récemment dans une revue indienne les photos de, comment dirais-je, de Meyer. Bon, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est tout. Il a été décrié, il était tout ce qu'on veut. Moi, je vois Meyer, c'est un vrai contacté. Voilà. Donc, ça reste un mystère. Ça va Alors, il en a rester un peut-être un peu mystère. agité pour certaines choses, mais il n'a pas gagné sa vie, il a tout perdu. Tout perdu. Voilà. Et en plus, on l'a pris pour un dingue. Vu comme ça, c'est sûr qu'on a envie d'y croire, hein, c'est sûr. Hein. Enfin, en tout cas, bon, Bon, ça reste un mystère. On ne sait pas. On ne de toute sait façon, ça pas. reste un mystère. Tout ce que je vous Ouais. raconte, c'est mon point de vue, c'est pas celui du voisin forcément. Ah, bien Ce ne sont entendu, que oui. des hypothèses et je ne détiens aucune vérité, qu'on se le dise bien. Hein. C'est des réflexions que je me suis faites parce que je commence à bien connaître la musique maintenant, Oui. mais ça n'engage que moi pour savoir chercher. Et faites-vous toujours votre opinion par vous-même. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais le sujet est complexe parce que plus vous savez, moins vous savez. Et on ne peut que conseiller aux personnes de justement chercher, de se documenter pour se forger leur propre opinion, hein, tout Allez sur simplement. les sites américains si vous parlez Voilà. anglais. Il y a des traductions Google qui sont pas terribles, mais déjà ça vous donne un aperçu. Allez sur les sites espagnols et sud-américains. Allez sur certains sites italiens. Vous allez tomber sur des pépites. C'est En France, vrai, il y a ouais. pratiquement rien. Faut aller à l'étranger. Ouais, Allez c'est sur les très sites pauvre, hein, russes. l'ufologie française, c'est vrai que Mais c'est je pas très bien commence par regarder documenté. les Hein. sites étrangers. Moi, je regarde tous les jours chez ma revue de presse. Je pioche chez les étrangers. Il n'y a Pour vous pratiquement dire, rien. et c'est vrai ce que vous dites, j'avais trouvé des cas de rencontre du troisième type en Lorraine, mais sur un site italien, faut le faire quand même. Et C'était même pas un site c'est évident. français, quoi. Ah Et oui, ouais, et oui, c'est mais oui. dingue. Non, non, en France, il y a très peu de choses qui se font. Il faut aller sur les sites étrangers. Et les Italiens fonctionnent très bien. Hein. Ouais. Alors en tout Les cas, associations UFO italiennes font leur boulot très correctement. alors Elisabeth, maintenant que nous avons évoqué le sujet des abductions, nous allons vous écouter nous raconter une affaire intéressante qui s'est produite au Mexique.
Et alors, oui, alors si vous êtes prête, je vous laisse nous conter cette belle histoire, j'en suis sûr. Bah écoutez, je crois que c'est une première chez vous, on raconte rarement des histoires. Et c'est la première fois. Ah oui, ça c'est et vrai bien, que vous c'est, avez, c'est une vous première. Avez, vous allez, une a, première. Vous allez avoir le droit à la conteuse. Alors je suis ravi, je vous écoute et là je vais essayer de ne pas vous couper une seule fois. Alors allez-y Elisabeth. Alors, je vais vous parler de pas n'importe qui ce soir, d'un monsieur qui était un scientifique de très haut niveau au Mexique, puisque ce monsieur dirigeait quand même, travaillait à l'université de Mexico. C'était un des grands pontes de la physique nucléaire et de l'énergie nucléaire pour le Mexique dans les années 70, et il travaillait à l'Institut de recherche de l'énergie nucléaire mexicaine. Parallèlement, il menait des recherches en biologie, en biologie médicale, des tas de choses. C'était une tête, ce gars. Cinquantaine d'années, quand il va commencer à avoir des bricoles qui vont apparaître dans sa vie, en 1972. Bon. Sur le coup, il va pas réaliser, mais ça va aller très vite, son histoire. Alors, ce monsieur a une vie classique aussi, une femme, trois enfants, enfin, bon, le scientifique dans toute sa splendeur, casé, pas du tout fou, complètement... Puis là où, bon, il allait dans les symposiums et les colloques mondiaux pour ses travaux et ses recherches. Hein. Il donnait des conférences, c'était pas thèse, livre, enfin tout. Bref. Et puis voilà qu'il va lui arriver un drôle de truc. Un jour, lui-même assiste à une conférence. Ça traite d'un sujet pédiatrique. Il est parti écouter un collègue. Ça se passe le 14 novembre 1972. Et d'un seul coup, que voit-il ? Il voit arriver dans l'ombre, dans la pénombre, parce qu'il y a, bon, c'était un petit peu... C'était pas trop éclairé. Il était au fond de la salle. Il voit arriver, alors, une bombe. C'est-à-dire une nana, mais tombée par terre. Très grande, un très beau visage, des cheveux bruns. Et alors, il va être surpris parce qu'elle a les yeux bridés, comme les Asiatiques, mais ils sont verts, c'est quand même plutôt rare. Elle est vêtue d'un superbe tailleur pantalon qui brille un peu. Enfin, il est complètement ébloui. Et elle va venir juste s'asseoir derrière lui. Et il est tellement ébloui que il a été regardé plusieurs fois en biais qui était à côté de lui derrière. Hein. Et puis, même quand il ne veut plus regarder, il sent qu'il est observé. Donc, il va se retourner je ne sais trop combien de fois. Et puis, à un moment, il va se retourner la énième fois, il n'y a plus personne, il a même pas en y sortir, ça n'a pas fait un bruit, plouf, plus personne. Mais ça n'est pas tout, ce n'est que le début. Parce que, après sa conférence, voilà qu'il rentre chez lui, il prend sa voiture, bon, il écoute de la musique en voiture comme beaucoup de gens, il y a de la musique douce qui se passe, puis d'un seul coup, paf, plus de radio, il y a un son bizarre que se met à émettre son autoradio. Et à ce moment-là, il va entendre une voix avec un timbre métallique qui va lui dire « Vous êtes branché sur notre fréquence homme de la Terre, vous êtes actuellement en phase primaire, vous aurez bientôt des nouvelles. » Et après, sa radio, silence radio, c'est le cas de le dire, pendant une demi-heure. Alors, il s'est demandé ce qui s'était passé. Et puis, il rentre chez lui. Et puis, il est en retard. Il se dit mince. Alors, il n'a pas donné s'il y a une heure ou deux heures de retard, on n'en sait rien, mais il va arriver très en retard chez lui. Mais tout le monde se serait posé rationnellement la question, comment ça se fait ? Je suis partie à telle heure, pourquoi j'arrive à telle heure ? Lui, pas du tout, ça passe comme une lettre à la poste. Il se dit qu'il a peut-être fait un détour, qu'il était distrait, puis qu'il a pu penser. Puis il va se coucher là-dessus. Et il s'endort. Comme un plomb, et le lendemain, la vie est belle, on passe à autre chose. Le 18 décembre, donc, un mois et quatre jours après, il est au resto dans le centre-ville de Mexico avec un copain qui s'appelle Carlos, qui est en même temps un collègue de travail. Et là, il est face à l'entrée du restaurant, donc il voit les gens rentrer. Et là, que voit-il entrer ? Sa bombe, la belle nana de l'amphi. Et elle est accompagnée d'un gars, alors là il voit qu'elle est immense, elle fait au moins 1m90, là elle la voit mieux, elle est magnifique, mais elle fait 1m90. Et elle est accompagnée d'un homme qui est nettement plus grand qu'elle, et qui va être obligé de se baisser pour pouvoir rentrer dans le restaurant, sinon il ne passe pas par la porte. Et alors cet homme est vêtu d'une curieuse façon, il est vêtu d'un uniforme, et sur le côté gauche de son uniforme, il y a une sorte d'insigne qui représente un cercle bleu,
avec un triangle doré au milieu. Et ça s'arrêtera là, il n'y aura aucun contact, aucun mot échangé, rien du tout. Mais sur le coup, il est tellement stupéfait de voir cette femme entrer, qu'il s'est levé. Son copain lui dit « bah, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te lèves ?» Et il va dire « bah écoute, il s'est rassis aussitôt d'ailleurs, j'ai cru voir quelqu'un, mais je me suis trompée. » Mais cette nouvelle apparition va le faire réagir. Il va se dire « quand même, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette nana ?» Et il se dit « c'est peut-être une de mes étudiantes finalement. Elle a la trentaine pourtant. Bon, ça peut pas être ça. » Mais enfin, il va quand même vérifier. Toute l'après-midi, il va regarder, compulser les photos de ses étudiants pour voir si elles ne seraient pas dans l'eau. Et évidemment, il ne trouve pas. Et les jours passent. Et il ne va pas être déçu. Puisque le 22 décembre 1974... occupé à travailler sur un nouveau vaccin dans son laboratoire, avec d'autres collègues scientifiques, il est en train de regarder à travers un microscope une cellule. Voilà que dans la salle, qui est un peu, qui n'est pas très éclairée, c'est comme si un rayon de soleil était rentré. Donc ça lui fait relever la tête. Et quand il relève la tête, que voit-il? Il y a une grande baie vitrée qui donne sur le couloir, et bien il voit derrière la baie vitrée la jolie femme. Et elle lui fait signe de sortir. Ni une ni deux, bah c'est ce qu'il va faire. Il va laisser des consignes aux gens qui travaillent avec lui et il va aller parler à la dame. Elle va l'accueillir très chaleureusement, mais comme si elle le connaissait. Et lui, très curieusement, il se dit « mais je ne la connais pas, pourtant j'ai un sentiment de familiarité ». Il est assez troublé et en même temps il est intimidé parce qu'elle est tellement grande et tellement belle qu'il se dit « mais pourquoi elle me suit comme ça? Pourquoi elle s'intéresse à moi ?» Et puis, il lui dit « mais est-ce que c'est vraiment moi que vous cherchez ?» Parce que je ne comprends pas cette assistance à me chercher. Bah, lui dit « oui, c'est vous. » Et puis d'ailleurs, tant que vous y êtes, je vais vous dire que quand je viens sur Terre et quand je visite d'autres planètes, bien, je rencontre diverses personnes, vous faites partie des gens que je rencontre sur la planète Terre, et mon nom, dans ces cas-là, est celui d'Eliance. Et elle va lui expliquer qu'elle a pour mission d'enquêter sur différents types d'intelligence qui existent sur les planètes de l'univers, sur certaines planètes, et que pour ce qui est de sa visite sur Terre, eh bien, c'est parce qu'en tant que scientifique, elle mène des études sur le développement socio-biologique des terriens. Telle qu'elle. Et notre bonhomme, il en reste comme deux ronflants. Il se dit « mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est une folle celle-là ou quoi ?» Mais non. Il n'a pas non plus cette impression-là. Elle lui raconte des trucs délirants, mais en même temps, il est intimidé, il a tendance à la croire. Et là-dessus, elle continue, elle lui dit « bah écoutez, vous avez compris, je ne suis pas de la Terre. Je viens d'ailleurs, je viens d'une autre planète qui est située à des années-lumière de la Terre. Et je fais partie d'un groupe de scientifiques qui se déplacent donc à droite et à gauche dans votre univers. Et quand nous rencontrons quelqu'un qui est ciblé, c'est votre cas, nous procédons par étapes. Vous avez eu la première étape quand vous m'avez croisé dans l'amphi, maintenant vous avez eu la deuxième, maintenant vous êtes à la troisième. Voilà. Puis alors maintenant, on a essayé de vous contacter avant pour vous prévenir par télépathie, sauf que vous n'êtes pas du tout un bon sujet. Et toutes nos tentatives ont échoué. Mais maintenant, ça va s'arranger. J'ai décidé précisément, pour que ça fonctionne un petit peu mieux et qu'on se connaisse mieux, d'avoir un contact direct avec vous. Et c'est pour ça que vous me voyez aujourd'hui dans le couloir de votre laboratoire. Alors, évidemment, il y a deux solutions pour lui. Soit il rigole, soit il prend ça au sérieux, soit il se fout en pétard. Et c'est ce qui va se passer. Troisième solution, ça va d'un seul coup l'énerver, le gaver, comme on dit. Il va prendre les choses très mal. Il va lui dire qu'elle a dépassé les limites et que maintenant ça suffit, il a des choses à faire. Et voilà. Et elle le retient. Elle lui dit « attendez, ne partez pas comme ça. C'est pas évident ce que je viens de vous raconter. J'ai pas l'intention de vous convaincre. Mais on va faire un test, vous allez voir. Je vais essayer de deviner ce que vous êtes en train de penser. » Alors, pensez à quelque chose, et puis voilà. Donc, lui va penser, il va réciter dans sa tête l'alphabet grec. Et elle va éclater de rire immédiatement, et elle lui fait remarquer que l'alphabet grec, c'est très bien, mais que c'est beaucoup trop facile. Il faut qu'il ait quelque chose d'autre qui puisse convaincre. Allez, posez-moi une question, monsieur. Et du coup, il va lui demander par la pensée de quelle planète elle vient. Et elle va répondre.
Et puis il va lui dire, mais comment ça fait que vous parlez aussi bien espagnol? Et tout ça, elle répond télépathiquement, il entend dans sa tête maintenant. Hein. Et la réponse est nette, bah, parce que j'ai appris l'espagnol. Et puis, bah, un échange va se... Mais dès le début, un échange télépathique va s'établir entre les deux et ça va parfaitement fonctionner. Alors, il va entendre dans le futur plusieurs voix. Il va entendre la voix de cette dame, ce personnage, mais il entendra d'autres voix aussi. Et puis, elle va continuer à échanger en télépathie et elle va lui dire que elle fait partie de ces êtres, de cette civilisation qui, depuis tout temps, est venue visiter la Terre et que dans des temps anciens, on les prenait pour des dieux. Et elle dit, si un jour vous avez l'occasion de parler moi, j'aimerais bien que vous parliez de moi à un moment donné, eh bien, dites bien aux terriens que nous ne sommes pas des dieux, que nous n'avons jamais été des dieux, que nous sommes des humains qui viennent d'autres univers et d'autres planètes. Et puis, elle va ensuite, durant l'échange télépathique, lui dire qu'elle a une infinie tristesse, comme les siens, parce que si sa civilisation aime la vie, c'est pas du tout le cas des terriens, qui passent leur vie à détruire tout ce qu'ils ont sous la main, à détruire leur planète, avec la plus grande légèreté, que eux, en tant que chercheurs, scientifiques, se sont posés de la question de savoir pourquoi il y avait cette obsession de tout détruire, d'être agressif chez les terriens. Et ils ont fini par en conclure, dira-t-elle, par le fait qu'en fait, les terriens sont obsédés par leur mort et ont une vie très courte. Et que, en fait, leur agressivité, leur peur, découlerait directement de leur peur de la mort. Et du coup, au lieu d'essayer de transcender tout ça, eh bien, ils se mettraient toujours en situation de destruction et de mort. C'est assez curieux. Voilà le raisonnement de cette entité stellaire. Et elle va dire, mais cher professeur, savez-vous que la mort n'existe pas? Il y a des tas de civilisations de l'univers pour lesquelles la mort n'existe pas. Moi-même, j'ai l'air d'avoir une trentaine d'années, mais en fait, j'ai 900 ans. Et je suis une jeunette. Je n'ai que quelques cycles d'existence sur ma planète. Je suis vraiment toute jeune. Alors lui, il est complètement sidéré. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Et donc, ce premier entretien va quand même le laisser assez perplexe. Et à la fin, elle va lui dire, écoutez, j'aimerais bien, professeur, que vous réfléchissiez à tout ce que je viens de vous exposer et qu'on puisse en reparler à l'occasion. Et lui va lui répondre, bah, écoutez, et si je ne vous crois pas? Et elle va lui répondre assez sérieusement qu'elle bah, comprendrait, puisque c'est un homme évolué, c'est un homme qui a l'esprit analytique, qui est cartésien, mais que bon, c'est un homme aussi curieux, qui a l'esprit ouvert. Donc elle a toute confiance, tôt ou tard, il va s'intéresser à tout cela. Et avant de tourner les talons, elle lui fait un petit signe amical. Elle lui dit, ne vous tourmentez pas à propos de tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Mais surtout, je vous demande impérativement une chose. Taisez-vous. Ne parlez de cela à personne. Et quand le moment viendra, je vous en dirai davantage. La dame repart et il retourne dans son labo. Il ne peut plus travailler. Il est le soir quand il rentre chez lui, il est sur deux idées. Est-ce que j'ai été victime d'un canular et d'une rigolote qui essaye de me raconter n'importe quoi, ou est-ce que c'est la vérité? Puis il se dit quand même, moi je suis un scientifique, bon d'accord, j'ai une certaine valeur, mais il y a quand même mieux dans le monde que moi. Pourquoi moi? Donc il va se poser des tas de questions, cet homme-là, parce qu'il comprend pas très bien. Et puis, alors, il faut savoir une chose, c'est qu'on connaît cette histoire par une ufologue mexicaine dont je reparlerai tout à l'heure, mais également par des bribes de journal qu'on a retrouvées, parce qu'il a tout écrit sur son journal dès le début. Et on saura, il y a plusieurs pages qui vont montrer au journal, on saura probablement parce que sa femme les a arrachées, et je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Mais donc, il y a des blancs. Mais par rapport... comment dirais-je, au fil du journal, on sait que quand il va à nouveau écrire sur le journal en février 1975, il a vu cette femme stellaire à plusieurs reprises. Et quand il réécrit en février 1975, il ne l'appelle plus Eliance, comme il l'avait fait au départ, il l'appelle Lia, c'est un diminutif. Et il écrit
tout au début de cette date du mois de février 75, qu'il ne l'a pas vue depuis un moment. Mais que depuis, il entend des voix dans sa tête, et notamment des voix féminines, et que ça lui arrive de plus en plus souvent, et souvent, il reconnaît la voix de cette fameuse Lia. Et puis un soir, alors évidemment, ça commence à le travailler, ce brave homme, il essaye d'en parler à ses copains. Et ça ne marche pas vraiment, il faut quand même le dire. Soit il y a ceux qui ne veulent pas en entendre parler et qui se foutent en boule, arrête tes histoires, tout ça c'est des âneries. Soit il y a ceux qui ricanent. Bon, ça c'est partout pareil. Hein. Et puis un soir, qu'il essaye d'insister, il va entendre une voix dans sa tête qui n'est pas celle de Lia, mais qui est extrêmement ferme et qui lui hurle qu'il n'a pas à parler de ses expériences et qui dit « Vous serez témoin de phénomènes beaucoup plus intéressants, vous devez faire très attention à ce que vous dites, apprenez à vous détendre, à contrôler vos émotions et vos tensions et vous vous sentirez mieux, calmez-vous. » Bon, et puis ce professeur entend donc ses voix de temps à autre et puis surtout il va remarquer une chose, et ça arrive de temps en temps aux abductés, c'est que ses goûts changent. Lui qui fumait comme un pompier, d'un seul coup, bah, il n'a plus envie de fumer. Et dès qu'il commence à fumer, il vomit. Il a mal au cœur, il est nauséeux, il n'est pas bien. Lui qui buvait comme un trou du café, eh ben, il a drôlement baissé sa consommation de café. Il ne s'explique pas tout ça. Puis surtout, ils sont très souvent serein, détendu, plus concentré sur ce qu'il est en train de faire. Il est dans son présent. Tout se fait en douceur. Il dit quand même, c'est bizarre, est-ce que ça serait l'influence de cette stellaire ? Et il va lui arriver maintenant le gros morceau, si je puis dire. Le 14 avril 1975, il est en début de soirée, encore avec son ami et collègue Carlos, en train de prendre un verre, il a bien l'intention de dîner avec lui. Et c'est alors qu'il va recevoir un ordre intérieur qui lui demande de se rendre le soir même, à 22h, sur la route de Kokula. Kokula, c'est pas la porte à côté, il y a au moins 2 heures de route. Et il se dit, mais mince alors, elle n'est pas contente, donc il répond télépathiquement qu'on ne l'a pas prévenu à l'avance, qu'on ne l'a pas consulté, qu'il est obligé de laisser son ami en plan, qu'est-ce que c'est que ces manières ? C'est quand même assez rigolo, quand même. Enfin bon, il va quand même y aller. Il va quand même y aller parce qu'il y a une voix qui a retenti dans son cerveau, qui est celle de Lia maintenant, qui est beaucoup plus rassurante, beaucoup moins autoritaire, et qui lui dit qu'il faut qu'il vienne, car il va maintenant vivre une expérience des plus surprenantes. Que peu de terriens vont vivre et qu'il aura besoin de tout son self-control pour pouvoir l'affronter. Bon, donc cette fois-ci, il connaît, il est convaincu et il téléphone à sa femme pour dire « Ma chérie, je rentrerai un peu plus tard. » Le voilà parti dans le désert de Los Leones, parce que Kokula, ça se passe dans ce coin-là. Et instinctivement, il va savoir à un moment qu'il approche du but. Et il ne croit pas si bien dire, puisque d'un seul coup, dans l'instant, il va perdre le contrôle de son véhicule. C'est-à-dire qu'il peut tourner le volant à gauche, à droite, ça ne marche plus. La voiture roule toute seule, là où elle veut. Elle va s'engager dans le désert sur une espèce de piste. Et il se retrouve à rouler comme un dératé avec sa voiture, au milieu de nulle part, sous la voûte étoilée, dans un désert complètement absolu. Et surtout, ce qu'il va remarquer, c'est que règne dans l'habitacle de sa voiture un silence de mort. À diverses reprises, il est paniqué, hein, à diverses reprises, il entendra la voix de Lia qui lui dit « Calmez-vous, pas de panique !» Parce qu'il est paniqué, tout le monde le serait à moi. Et d'un seul coup, son automobile va s'arrêter net. Et Lia va lui dire « Ne bougez pas, j'arrive ». Effectivement, il va attendre une bonne dizaine de minutes et elle va apparaître d'un seul coup comme si elle s'était matérialisée devant lui. Et pendant à peu près 2 kilomètres, ils vont marcher sur 2 kilomètres dans le noir jusqu'à une petite colline. Et quand ils vont regarder au bas de la petite colline, eh bien, que va-t-il voir ? Il va voir un petit vaisseau qui est posé. Et à côté du vaisseau, il y a 2 hommes et quand il va s'approcher, il va reconnaître. L'un de, ils sont grands tous les deux, et ben il va reconnaître un des deux, c'est-à-dire l'homme qui accompagnait Lia quand il l'a vu la seconde fois au restaurant. On va le faire pénétrer dans l'engin, on va lui faire passer dans une sorte de chambre de décontamination, on va lui faire enlever ses vêtements pour lui en donner d'autres. Ensuite, on va l'asseoir dans un fauteuil et c'est parti. Alors, évidemment, on ne regarde pas par la fenêtre dans les soucoupes volantes. Hein, ce sont des écrans qui vous permettent de voir à l'extérieur. Et à un moment, sur l'un des écrans, il va s'apercevoir
qu'il est en train de voler sur une région qu'il connaît. On lui a averti qu'il partait en Alaska. Et il reconnaît parfaitement bien, puisqu'il y a déjà été en vacances, les paysages volcaniques de la région du Yukon, qui se trouve donc en Alaska. Et il va évaluer, vu ce qu'il voit, que le vaisseau se déplace à peu près à 3-4 000 mètres d'altitude. Et ensuite, il va reconnaître, vu de haut, une île qui est au large de l'Alaska et qui s'appelle l'île de Kodiak. Et on va lui confirmer effectivement que c'est bien ça. Et à ce moment-là, les hommes stellaires vont prendre la parole, vont lui expliquer que ce qu'ils sont venus observer maintenant et ce qu'il va pouvoir voir, ce sont les manœuvres d'un porte-avions américain qui a été mobilisé pour participer à une série de tests dont le tir d'une bombe extrêmement puissante. Et sur son écran, effectivement, notre homme va pouvoir voir le fameux porte-avions qui fonce plein sud, donc en direction du territoire américain. Ils vont le suivre lentement, à peu près à 3000 mètres d'altitude. Et l'IA va lui donner des explications. Elle va lui dire, écoute, voilà, la bombe qui va... Écoutez, voilà, la bombe qui va exploser est une bombe nucléaire, d'une puissance jamais égalée, d'une puissance absolument phénoménale. Lui est complètement sidéré, parce qu'elle lui donne des tas de détails sur l'opération, il se demande comment elle peut savoir ça, elle ne répondra pas. Et surtout, ce qui l'inquiète, c'est qu'il lui dit, attendez, on va voir la bombe sauter, oui, vous allez la voir. Alors, on va prendre des radiations. Bah, il connaît le truc, vu qu'il travaille pour l'énergie nucléaire du Mexique. Elle dit, non, on risque rien, nous, vous allez voir. Parce qu'on a un vaisseau, nous, qui a une sorte de protection. Et donc, on ne peut absolument pas se prendre quoi que ce soit comme radioactivité. On ne peut pas visuellement nous voir. Et aucun radar ne peut nous détecter. Ce qui veut bien dire que les ovnis peuvent être parfaitement invisibles. Et c'est le cas. Donc, le professeur va jeter un coup d'œil à sa montre et là, il va s'apercevoir qu'il est minuit. Et à minuit pile, cette fichue bombe va être larguée par un des bombardiers. Il y a deux bombardiers de l'Air Force qui vont arriver. L'un des deux va larguer cette bombe. Il va voir tout de suite l'impact sur l'océan parce qu'il y a évidemment il y a les hélicos et tout ça. Donc, on voit un petit peu à la lumière. Puis, il y a cette énorme lumière qui va se dégager. Il voit l'océan qui boue. Une monstrueuse turbulence. Et puis, il entend résonner à ce moment-là une terrible explosion. Et là, il va avoir la peur de sa vie. Pourquoi ? Parce que le vaisseau, plutôt que de s'éloigner, va piquer à l'endroit où la bombe est tombée et rentrer dans le nuage de radiation. Il est terrifié. Et Lia va lui dire, non, n'ayez pas peur. Vous venez de voir la libération des atomes de cette bombe. Mais on ne risque rien. Et notre vaisseau est là, pourquoi ? Pour récupérer les particules de radioactivité. Notre vaisseau va aspirer toutes les particules atomiques afin qu'elles ne se dispersent pas et qu'elles ne polluent pas l'environnement. Nous sommes là depuis le début des expériences nucléaires. C'est à chaque fois qu'il y a une bombe qui saute, nos vaisseaux sont là pour aller récupérer ces particules radioactives et pour neutraliser tout cela. Ça va durer une bonne heure, l'opération de décontamination dans le vaisseau. Et puis, d'un seul coup, le vaisseau va monter en flèche. À toute vitesse dans l'espace, il va voir les étoiles sur les écrans et tout le bazar. Et on lui explique qu'ils vont sur les ceintures de Von Allen pour aller larguer les particules ionisantes qu'ils ont récupérées. Et une fois que l'opération sera achevée, on va revenir le déposer dans le désert. Voilà. Après, on aura fait quand même un petit détour au-dessus de l'océan pour lui montrer que la mer est devenue normale, mais bon. Et il se retrouve dans le désert, il ne sait pas trop comment. C'est-à-dire qu'il a le souvenir du vaisseau, puis d'un seul coup, il est près de sa voiture et dans la nuit, noir. Il n'y a plus de vaisseau, il n'y a plus rien. Il est terriblement perturbé. Il se dit « c'est pas possible, un truc pareil ». Ça l'a choqué. Il a une grande émotion car il a pris conscience des effets dévastateurs de l'atome sur lequel il travaille tous les jours. C'est une énorme paire de claques qu'il a pris dans la figure. Il risquera le lendemain matin de se prendre une paire de claques, parce que quand il va rentrer, il est 7 heures du matin, et Madame Hernandez n'est pas une dame facile. Bon, je précise quand même qu'Hernandez est un pseudo, parce que vu la situation qu'il avait, il n'a jamais donné son vrai nom. En tout cas, son épouse le prend très mal. Et à partir de là, elle va lui faire que des histoires, elle va lui ruiner la vie, on peut dire comme ça, et ça se terminera pas très bien. Et parce qu'elle est persuadée qu'en fait, de soucoupe volante, parce qu'il lui en parlera après, pas trop longtemps, parce qu'elle ne veut même pas en entendre parler, mais elle est persuadée qu'il a une maîtresse.
Dans les jours qui vont suivre cette expérience, il va avoir des conversations à diverses reprises avec la jolie Lia. Et il va se rendre compte que cette stellaire a des connaissances en physique absolument remarquables, de très haut niveau. Et il va la revoir. Il va la revoir le 22 avril 1975. Cette fois-ci, c'est lui qui a donné une conférence en tant que professeur. C'est une conférence difficile, il est fatigué. Et quand il sort de là, avec une envie, c'est de remonter dans sa voiture et de rentrer chez lui. Sauf qu'une idée lui traverse, fulgurante, qui lui dit que Lia doit être dans sa voiture en train de l'attendre. Ça ne loupe pas. Quand il arrive sur le parking, que voit-il ? Lia, qui l'accueille chaleureusement, comme habituellement, lui demande s'il est pressé, lui répond que non, mais il lui dit qu'il est fatigué et qu'il aimerait bien aller se reposer. Il lui dit, mais attends, attendez, est-ce que vous ne voudriez pas accomplir une petite mission de copilote avec moi aujourd'hui ? Il lui dit, écoutez, non, il faut que j'aille dormir, je suis fatigué. Vous savez que ça ne se représentera pas deux fois, hein ? C'est une opportunité qu'on offre à peu de gens d'aller jouer les copilotes dans un petit vaisseau spatial. Il va dire oui. Il va dire oui, mais à condition que ce ne soit pas trop loin. Sauf que quand on part avec les stellaires, on va souvent loin parce qu'il faut aller dans le désert. Donc là, il va conduire quand même un bon moment avant d'arriver en plein désert, une nouvelle fois, un autre désert. Et là, il va trouver posé au milieu de nulle part un petit vaisseau qui fait à peu près 3 mètres de diamètre. Et il va voir son ami Lia sortir un petit boîtier qui n'est pas plus gros qu'un paquet de cigarettes. Il y a des boutons dessus, elle va appuyer sur un bouton. Et il va voir sous le vaisseau comme une espèce de porte qui va s'ouvrir, une échelle qui descend. Ils vont monter dans le vaisseau comme ça, ils vont s'attacher. À l'intérieur du vaisseau, il va voir qu'il y a juste une manette avec des boutons. Elle va appuyer sur le bouton et c'est parti. Et le voilà parti. Sans aimer, dans ce vaisseau qui n'émet pas le moindre son. Et on va sortir de l'atmosphère, il va voir les étoiles. Elle lui fait vraiment une belle balade. Et là, il va découvrir tous les satellites qui orbitent autour de la Terre. Il va en voir passer des douzaines et ça va complètement le sidérer parce qu'il n'imaginait pas, au milieu des années 70, qu'il y en avait autant. Et elle va le ramener, c'était le petit tour en soucoupe du jour. Et au cours de leurs échanges, qu'ils soient directs, parce qu'il y en aura pas mal de directs, mais souvent télépathiques, cette femme va lui raconter, cette stellaire va lui raconter, comme le font énormément de stellaires, quelle que soit leur origine, leur nature, aux abductés, ils vont raconter, comme c'est à peu près systématique, l'histoire de la Terre, l'histoire des terriens. Et évidemment, notre professeur n'y échappera pas, et on va d'abord lui parler d'une planète qui s'appelle la planète Maldek. Lia va lui expliquer ça. Elle va lui dire que dans le système solaire, autrefois, il y avait une troisième planète, maintenant c'est aujourd'hui la Terre, mais il y avait une troisième planète à la place de la Terre avant qui s'appelait Maldek. Et elle était là bien avant que l'être humain ne fasse son apparition sur la planète Terre. Et puis, la Terre, elle, qui se trouvait en quatrième position, à l'époque, n'avait qu'un continent, un grand continent, mais c'était tout. Et cette énorme planète qui était à la place de la Terre, donc en troisième position par rapport au Soleil, tout allait très bien. Elle était plus en avance. Il y avait déjà des civilisations développées, la végétation, enfin toute la Terre s'était bien développée. Sur cette planète, ça se passait très bien. Jusqu'à ce qu'il y ait une catastrophe. Une catastrophe, et pas des moindres, qui va survenir plus tard. Les humains vont être amenés par vagues. Les premiers qui vont arriver, selon l'IA, sur la planète Terre, seront ceux de la race cuivrée, qu'on appellera plus tard la race rouge. Et puis arrivera la race nordique, donc la race blanche, puis enfin la race noire, et pour terminer, la race jaune. Et l'IA va dire que les différentes races vont être disposées aux quatre coins de la planète, en fonction de leur métabolisme et de leur façon de fonctionner au niveau physique. Et donc, ils vont avoir des territoires différents. Et tant que ces races vivent séparément, eh bien, tout se passe bien. Il n'y a pas de contestation de territoire. Chaque race, à l'époque, est d'une grande pureté. Elle a son odeur particulière, soulignera l'IA, ses vibrations également, qui sont très spécifiques, qui n'ont plus rien à voir avec nos vibrations actuelles d'ailleurs, puisqu'on a été manipulés, bousillés, tout ce qu'on veut.
Et ajoutera que les Asiatiques et les Noirs, par exemple, ont des corps beaucoup mieux adaptés à toutes sortes de climats et qui sont plus aptes à cette époque à consommer une alimentation diversifiée par rapport aux individus de la race rouge ou de la race blanche. Elle ajoutera qu'à cette époque, la planète Terre est absolument paradisiaque, qu'il y a une grande richesse végétale, animale, minérale aussi, et que chacun y vit en paix. Et puis, la race blanche, la race nordique, va prendre de l'importance. Elle va dépasser en nombre d'individus toutes les autres races. Faut savoir que les ancêtres des Nordiques provenaient d'une planète qui s'était autodétruite, comme par hasard. Ces Nordiques, par rapport aux autres races, avaient un niveau intellectuel bien plus développé, un niveau de perfection physique magnifique. Ils étaient très beaux, paraît-il, et ils avaient un grand niveau spirituel. Ils étaient aussi émotionnellement stables à l'époque. Hélas, leurs scientifiques vont développer des connaissances très étendues sur l'univers, de nombreux secrets, et vont développer un désir de puissance. Et c'est là que les choses vont se gâter, car les conflits vont commencer, les catastrophes vont survenir, les contestations de territoire arriver, et tout le monde va se mettre sur la figure, comme on connaît bien comment ça se passe sur Terre. Il va y avoir des guerres incessantes. À cette époque, différents peuples stellaires viennent visiter la Terre et se rendent compte que les terriens sont en train de perdre la boule et sont majoritairement devenus agressifs, belliqueux, qu'ils ne vivent plus surtout dans le respect absolu des lois cosmiques comme eux le font, ce qui est très grave. Il n'y a que ceux de la race rouge, ceux qui ont la peau cuivrée, qui respectent encore. Ils ont encore la morale, la mémoire de la loi universelle. Et aux yeux de ces stellaires, ils représentent le terrien parfait, ce de la race rouge. Et pour préserver ces joyaux humains, va expliquer l'IA, qui avait su conserver la connaissance interplanétaire. Eh bien, la civilisation de l'IA va enlever ces êtres de la race rouge de la Terre. Vont rester sur Terre quelques hybrides, c'est-à-dire plutôt des métis, qui ne sont pas de race pure, qui sont de race rouge, mais bon, pas de race pure. Et ceux qui sont restés sur la Terre, dira l'IA, ceux de la race rouge originelle, eh bien ce sont les Égyptiens anciens. D'ailleurs, vous remarquerez que les Égyptiens sur les fresques ont souvent la peau cuivrée assez soutenue. Vous voyez, c'est peut-être pas un hasard. D'ailleurs. Elle ajoutera aussi en disant que les premiers stellaires étaient parfaitement connus de toutes les civilisations antiques. Et puis... on est toujours dans des temps très reculés, bien avant que ce que notre histoire peut savoir. Il va se passer une invasion sur Terre, qui est totalement pacifique au départ. C'est-à-dire que des scientifiques de la planète, la fameuse planète Maldek, vont débarquer sur Terre qui n'a toujours à l'époque qu'un seul continent, hein, et ils vont étudier les terriens, depuis leurs origines. Et puis ils vont commencer à faire des recherches, et puis ils vont commencer à faire des expériences, et puis ils vont faire venir, parce qu'à l'époque ils ont une technologie qui est très développée, c'est-à-dire qu'ils sont capables de construire des grands vaisseaux qui vont très très loin dans l'univers, et ils vont ramener des animaux. Des animaux qui viennent un peu partout. Ils vont les coller sur Terre, puis ils vont faire des expériences épouvantables, c'est-à-dire qu'ils vont croiser des gènes humains avec des gènes d'animaux. Et ça va faire des mutations absolument terribles, donner naissance à des êtres monstrueux. Et d'après l'IA, la mythologie égyptienne représenterait ces êtres monstrueux qui sont des croisements de gènes humains et de gènes animaux. Et les scientifiques de Maldek, implantés sur Terre, ne vont pas se limiter à ça. Ils vont mettre la Terre sous domination. Ils vont faire en sorte que les humains de la Terre deviennent des esclaves, dédiés exclusivement à leur service. Et puis, ils vont continuer leur recherche génétique, ils vont faire des opérations de clonage également. Et puis, il va sortir une deuxième vague de monstres, mais alors ça, c'est des monstres féroces qui vont sortir de leur labo et qu'ils vont confronter aux humains. C'est un peu comme les jeux du cirque, vous voyez. C'est horrible, c'est un désastre. Et ils vont mener des opérations absolument épouvantables. Alors, ils vont, dans la phase finale, ils vont mener, avant le pire du pire, qui va provoquer la catastrophe d'ailleurs,
Ils vont tester sur les humains de l'époque qui sont du bétail et de l'esclave complet, des gaz toxiques, des souches de virus qui vont provoquer des épidémies absolument catastrophiques qui vont décimer nombre de nations terriennes. Il y aura beaucoup de morts à cette époque-là. Alors, ces scientifiques sont installés en plein milieu de l'unique continent, dans une cité qu'ils ont appelée Atlantis. Tiens, tiens. Et ces Maldekiens, devenus terriens au fil des générations, parce qu'ils ne sont jamais repartis, ils ont fait des petits, eh bien, ils oublient complètement les lois universelles, les lois de la vie qui étaient pourtant pratiquées par la planète, sur la planète Maldek, d'où ils sont originaires. Et il va se passer quelque chose d'épouvantable. C'est qu'ils vont tellement oublier ces immigrés sur la Terre qu'ils vont aller au pire du pire. Ils vont aller construire l'arme absolue. L'arme qui fonctionne à l'antimatière. Ils savaient déjà s'en servir pour faire fonctionner leur vaisseau, mais là, ils vont toucher à ce qu'il ne faut pas. Parce que ça n'est pas dans un but bienfaisant, c'est carrément autre chose. Ils vont construire une arme redoutable. Et l'IA dira qu'après des années d'expérience, ils vont orienter leur recherche sur le pouvoir magnétique qui produit la vie, devinant que l'antimatière et l'antimagnétisme étaient liés. Elle va ajouter qu'ils voulaient à la fois dominer la psyché humaine et l'énergie biologique qui anime l'homme, de même que la dynamique qui entretient le mouvement des planètes et des étoiles. En fait, ils voulaient la connaissance suprême, la puissance suprême, la capacité de créer et de diriger le processus de la vie physique et pire encore, de contrôler le mouvement des planètes. Les créateurs, ils voulaient se poser en créateur, tout simplement. Et ça, c'est une violation totale que de copier le créateur. Et ça va être très grave, parce qu'ils vont mettre au point tout ce qu'ils vont mettre au point de pire, et notamment cette arme absolument épouvantable. Elle tuait le corps physique. L'essence énergétique était préservée, subsistait. Elle était très précieuse, dira l'IA, cette énergie, cette essence énergétique. C'est une puissante énergie mentale. Elle dira que ça retenait la plus grande part de la vitalité, de la mémoire de chaque humain, qui peut persister des siècles. Et en perfectionnant cette arme terrifiante, les monstrueux scientifiques d'Atlantis vont créer l'arme diabolique par excellence qui est capable de tout éradiquer, toute forme de vie, d'annihiler l'énergie physique des êtres vivants, leur énergie spirituelle. Les animaux ne sont pas épargnés, ils font leurs essais également sur les végétaux et les animaux. Et l'IA dira que l'arme détectait même la respiration et l'expiration des végétaux, donc elle sait qu'ils respirent. Elle possédait un réacteur anti-nucléaire et anti-énergie, dira-t-elle, et agissait par désintégration des molécules. Cette arme, dira-t-elle aussi, était un déstabilisateur magnétique et une force neutralisant ou captant l'énergie de toute nature. Elle dira que toutes ces armes diaboliques auraient pu être utilisées à des fins bénéfiques, car d'autres stellaires de civilisations très évoluées spirituellement s'en servent couramment, semble-t-il, de ces armes à antimatière, mais simplement pour des aspects bénéfiques. Par exemple, quand une planète est en train de mourir, quand elle a besoin d'un satellite ou je ne sais trop quoi, eh bien grâce à cette connaissance de l'antimatière, ils peuvent agir. C'est du bénéfique. Mais ceux de Maldek, c'est pas comme ça qu'ils vont le prendre. Et c'est le plus mauvais usage qui soit. Et ceux de Maldek, de la planète Maldek, d'où ils sont originaires, vont se rendre compte que ça n'est plus possible. Et ils ont une culpabilité vis-à-vis des terriens. Ils se disent quand même, ce sont nos scientifiques à l'origine qui ont émigré sur la Terre, et ils sont en train d'éradiquer les terriens et la planète en entier. Donc, on va envoyer des émissaires et on va leur dire d'arrêter. Donc, les Maldekiens vont envoyer des émissaires aux descendants des anciens de Maldek qui font dans la science et dans la mauvaise science pour essayer de trouver un accord. Sauf que ça va mal se terminer et que la planète Maldek va finir par leur déclarer la guerre, une guerre qui durera un an. Sauf qu'ils vont se mettre des bombes nucléaires sur les coins de la figure.
Et finalement, eh bien, les scientifiques d'Atlantis vont dire, bon, écoute, ils commencent à nous fatiguer, ceux-là, allez hop, on va mettre le paquet. Et ils vont sortir l'arme fatale. Et ils vont tirer sur la planète Maldek, leur planète d'origine, qui va se prendre un tir de plein front. Immédiatement, son champ magnétique va carrément disparaître, pratiquement. Son orbite va être déstabilisée. Avant de quitter la planète à l'agonie, les Maldekiens vont répliquer autant que faire se peut avec une arme tout aussi puissante. Ils vont viser la cité d'Atlantis. Et ça va être tellement puissant, le choc, que le continent unique va se séparer en deux et ne continuera à dériver jusqu'à former les cinq continents que nous connaissons aujourd'hui. L'écorce terrestre s'est fendue en deux. La séparation va être assez rapide, d'après ce que dira l'IA. Ça va s'écarter de plus en plus. C'était vraiment une grosse faille qui a coupé le continent unique en deux. Il va y avoir des tsunamis et des déluges qui vont durer très, très, très longtemps. Et il va y avoir beaucoup de morts, évidemment. Et cette arme redoutable, elle va le dire aussi au professeur Hernandez, elle est toujours sur Terre. À l'époque, très, très reculée, elle était protégée par une pyramide. Et devinez où se trouve cette pyramide? Eh bien, elle se trouve sur la zone de Bimini, en plein triangle des Bermudes. D'après l'IA, elle serait toujours active, elle émettrait toujours une énergie, mais par contre, c'est une énergie très faible par rapport à l'origine. Mais enfin, Sun Maldek, avec leurs planètes détruites, vont être recueillis par des stellaires bienveillants qui vont les replacer sur d'autres planètes. Hélas, la planète Maldek va d'abord heurter la planète Mars, où elle va causer de gros dégâts. Elle va ensuite heurter Jupiter et elle va rebondir sur la Terre. Et la Terre va en prendre un tel coup que son axe va carrément vaciller. Elle est prête à se retourner et elle part en vrille, en toupie. Et c'est grave. Parce que, en plus, Maldek, en explosant, va détruire beaucoup de choses sur les planètes voisines, la Terre, Mars, enfin toutes les planètes qui sont dans le secteur. Et c'est à ce moment-là que les Pléiadiens vont faire leur apparition. Et ces Pléiadiens, qui sont plus développés à l'époque que les Andromédiens, vont porter secours à la Terre pour les aider. Pour l'aider à ne pas connaître le même sort funeste que la planète Maldek qui vient de sortir de son orbite et qui a fini un peu partout dans les autres planètes. Donc, ils vont dans un premier temps, depuis leur vaisseau, projeter de puissants faisceaux d'énergie condensée. Ils vont réussir à peu près à rétablir la Terre, mais ils n'y arrivent pas. Elle n'arrive pas à retrouver son axe primaire et ils se disent qu'il faut absolument trouver autre chose. Donc, ils ont les moyens, précisément avec l'antimatière et des technologies très puissantes qu'ils connaissent. Donc, ils vont aller chercher un petit planétoïde dans un système solaire d'ailleurs. Et ce petit planétoïde, c'est une petite planète mourante, à l'agonie, qui a encore un petit peu de photosynthèse à sa surface, mais c'est tout. Bon. Il n'y a personne qui vit là-dessus, allez hop, on la ramène, et avec leurs moyens, ils vont ramener ce petit planétoïde qu'ils vont mettre en pendant avec la Terre, qui va devenir notre Lune. Et elle dira qu'en fait, les Andromédiens de l'époque, quand ils ont vu les Pléiadiens faire ça, ils en étaient comme de ronde flan, complètement baba, parce qu'eux n'avaient pas cette technologie pour arriver à ça. Maintenant, ils l'ont, mais à l'époque, ils ne l'avaient pas. Donc cette lune actuelle, l'IA va expliquer qu'elle est extrêmement importante, puisqu'elle a une propriété, la lune semble-t-il, c'est d'absorber les excès d'énergie. Alors quand la Terre en a pris un coup, qu'elle s'est déplacée en plus pour se rapprocher du Soleil, puisqu'au final elle finira par prendre la place de Maldek, hein, donc elle sera numéro 3, elle prendra la même orbite. Donc cette lune va prendre l'énergie de toutes les catastrophes. Il y a eu des volcans en plus sur Terre. Elle va améliorer les choses. Elle va éponger l'énergie. Et l'IA va dire que elle ne fait pas que ça. Elle continue à éponger les énergies, le trop-plein d'énergie, et également des humains. C'est-à-dire que elle va pomper, décharger les humains de leur trop-plein d'énergie, mais ceux qui n'ont déjà pas assez d'énergie, ils vont se retrouver complètement pompés. Donc, elle a quand même une influence sur tout ce qui vit sur la Terre, cette petite lune, hein, qui est un planétoïde à l'origine. Et puis, l'IA va dire aussi au professeur Hernandez que Mars, qui était très
très amoché après avoir pris Maldek de plein fouet, a eu des problèmes d'équilibre aussi. Et les Pléiadiens se sont dit, elle va partir aussi en toupie. Et il faut essayer d'arranger ça. Donc là encore, il va procéder à la même opération. Ils ne vont pas ramener des planétoïdes, ils vont ramener quelque chose d'un petit peu différent, plutôt deux satellites. Et ces deux satellites, on les connaît. Il s'agit de Phobos et de Deimos. Et ils vont mettre un de chaque côté de Mars. Et ça tient l'équilibre. Et ça finira par stabiliser la planète Mars. Et cela, par contre, l'IA dira que ces petits satellites sont beaucoup plus énergétiques, ils sont moins morts que la Lune. Voilà, la Lune, elle est vraiment morte maintenant. Bon, finalement, la Terre va s'en remettre, mais l'IA dira qu'elle n'a jamais retrouvé sa stabilité d'origine. Elle vacille toujours, la Terre, et son axe est incertain quand même, hein. En attendant, le temps va passer, elle s'est rapprochée du soleil, la vie va renaître, les végétaux vont être dynamisés, les animaux vont reprendre de la végétalité. Quant aux descendants des terriens qui ont subi des terribles catastrophes, ils vont commencer à se réorganiser. Tout va à peu près rentrer dans l'ordre. Par contre, ce que vont faire les grandes civilisations galactiques, que sont les Andromédiens, Pléiadiens et d'autres, c'est de détruire. Ils vont retrouver toutes les archives, toutes les informations, tout ce qu'avaient ces scientifiques d'Atlantis qui ont détruit tout, ces scientifiques maudits. Ils vont détruire toutes leurs connaissances, toutes leurs archives. Mais ils vont faire aussi autre chose, c'est qu'ils vont bannir les terriens, même s'ils sont des victimes, les rescapés. Et nous sommes, depuis cette histoire-là, semble-t-il, d'après l'IA, écartés de toutes les civilisations avancées. Ils nous surveillent de loin. Pour certains, pas tous, hein, les gris, ça c'est autre chose, mais les gentils, si je puis dire, nous surveillent de loin, mais ils n'interviennent plus dans nos affaires, nous sommes bannis. Elia va raconter quelque chose qui va terriblement faire peur au professeur Hernandez. Elle va lui dire, il y a 6000 ans, il y a des très méchants qui sont arrivés sur Terre, des galactiques technologiquement avancés, eux, mais plutôt malveillants. Ils ont débarqué sur Terre et... Et rien à voir avec les stellaires évolués techniquement, mais qu'ils le sont spirituellement. Eux, pas du tout. Civilisation conquérante, ambitieuse, passablement perverse. Et elle va raconter qu'à Hernandez, quand ils sont venus il y a 6000 ans, c'était une race de géants. Et c'est ceux dont on parle dans la Bible. Ceux qui se seraient unis avec les terriennes, qui auraient eu des enfants dont la mythologie parlera en tant que héros ou de titans. Ces galactiques, d'après l'IA, sont nommés des Xoum. Ils n'ont jamais été pacificateurs. Ils auraient été à l'origine de graves conflits, pas seulement sur Terre, mais partout dans l'univers. Ces êtres-là, très particuliers, ne pensent qu'à leurs intérêts propres. Et elle lui dit, l'IA, à ce moment-là, écoutez, professeur, je vous fais un aveu, ils sont sur le point de revenir. De revenir vraiment à la charge. Mon groupe, ma civilisation m'a chargé de vous en informer. Si un jour vous parlez de votre histoire, n'oubliez pas de dire ça. Ils ont encore l'intention d'envahir la planète. Et pourquoi ? Parce que ce sont des scientifiques. Ils ont un mépris total pour notre science qui est, balbutiante et qui n'y arrive pas. Ce sont des spécialistes de la génétique, des manipulateurs. L'IA va dire qu'ils ont déjà sélectionné un certain nombre de terriens, qu'ils les ont clonés. Et que ces clones qui ne sont pas restés sur Terre seront un jour remis en service sur la Terre, réintroduits pour remplacer les terriens. Attention, ça ne vous dit pas quelque chose, ça ? Ça se passe dans les années 70, hein, ces confidences. Et ça, on le sait par l'ufologue. Hein, et en 70, on ne parlait pas de toutes ces choses-là, comme on ne parlait pas des implants sur les terriens. Et Hernandez va expliquer qu'à cette époque-là, la fameuse Lia va lui dire que tous les terriens ont des implants qui permettent de les contrôler, de les dominer. Que les études que mènent ces Xoum, eh bien, c'est d'évaluer nos chances de survie, de voir comment va notre stratosphère, notre biosphère. Pas pour nous faire du bien, non, non, pour savoir pour combien de temps on en a. Et puis, l'IA dira que ces Xoum ont transmis au gouvernement terrien, certains gouvernements, des informations et différentes technologies qui ont permis des avancées technologiques considérables.
qui n'ont fait qu'aggraver l'état de la planète. Que ces fameux Xoums, dans des temps anciens, se faisaient passer pour des dieux, qui aussi avaient donc violé les terriennes, tant qu'on sait, fait des... Et puis ils avaient tué beaucoup de terriens aussi, et vous savez comment ils les tuaient? Oh. En pompant l'hydrogène de leur corps. Je savais pas qu'on avait de l'hydrogène, mais il paraît qu'on en a, et quand on en a plus, ça va moins bien. Enfin bon, bref, tout ce qui va rester vivant sur la Terre sera réduit en esclavage. À cette époque, la Terre était redevenue un paradis, elle va devenir à nouveau un enfer. L'IA dira que ces Xoums reviennent sporadiquement, ils sont revenus en force récemment, il y a quelques décennies, peut-être après la guerre. Leur présence est donc toujours effective. Ils essayent d'effacer de nos cerveaux, de nous contrôler à l'heure actuelle et d'effacer de nos cerveaux nos mémoires, nos sentiments les meilleurs. Tout ce qui peut constituer des obstacles à leur puissance, ils connaissent parfaitement nos failles, nos points de vulnérabilité, nos altérations génétiques évidemment, totalement dénués de compassion et de pitié. Ils ont fait savoir aux différentes autres civilisations galactiques que si les terriens ont choisi d'eux-mêmes l'autodestruction, bah autant les aider à accélérer le processus, et quand une fois qu'ils seront tous entretués, eux ont l'intention de reprendre notre planète. C'est assez gai. Ces dangereux Xoums seraient originaires d'un système solaire situé à plus d'une centaine d'années-lumière de la Terre. Ils domineraient nos gouvernements terriens depuis l'année 1914. Ils seraient repérables, quand on peut les capturer, par la couleur de leur sang, qui est différente de celui des humains de la Terre, et la composition également. Alors le professeur, il sort de là, il est complètement atterré. Il va demander à l'IA s'il peut divulguer le plus rapidement possible le moyen d'échapper à l'emprise. Il faut qu'elle lui dise. Et l'IA va lui dire, écoute, les terriens, ils n'ont qu'une seule chose à faire. C'est à respecter les lois de la vie. Les lois universelles. Quand ils arrêteront de se mettre sur la figure et de s'entretuer, qu'ils considéreront les choses autrement que par la mort, eh bien à ce moment-là, les autres galactiques qui les ont bannis et qui les ont mis à distance viendront les aider. Mais nous ne bougerons pas, jamais. Évoluez d'abord et on verra ce qu'on fait. Par contre, si vous voulez dégoûter les fameux Xoums, eh bien, sachez qu'ils sont dotés d'un orgueil absolument phénoménal, qu'ils ne se satisfont que de la victoire, qu'ils détestent l'opposition. Donc si un groupe de terriens très déterminés s'avisait à leur barrer la route, à contrarier leur plan, à leur compliquer la tâche, eh bien ça les ferait certainement reculer. Donc unissez-vous. Elia terminera son exposé ce jour-là en disant qu'elle regrette que les humains de la Terre aient hérité de cette inévitable et fâcheuse tendance à la destruction. Que maintenant il serait vraiment temps, et elle le redit, que l'on se centre un petit peu plus sur la vie plutôt que sur la mort, que le grand défi de l'humanité n'est rien d'autre que de penser à sa survie, à la survie de sa propre espèce, et qu'il faudra mettre un jour ou l'autre un processus définitif de paix sur cette terre et afin d'éradiquer tous les conflits incessants. Et quand les terriens ont compris ça, leur vie changera parce que d'autres stellaires viendront. Ils voleront à leur secours et surtout, ils resteront quelque chose d'unique, qui est précieux chez nous, c'est-à-dire notre ADN, qui retrouvera à ce moment-là toute sa magnificence. Pour l'instant, il a été un peu amoché. Alors, il y a une ufologue qui s'appelle Zita Rodriguez Montiel, qui est une Mexicaine, qui était journaliste également, qui a enquêté sur le cas surprenant de ce professeur Hernandez. Et elle a eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, avant qu'il ne disparaisse dans les conditions que je vais vous expliquer tout à l'heure. En fait, cette dame s'était rendue à l'Université de Mexico pour rencontrer un sismologue, puisqu'à l'époque, elle écrivait un bouquin sur les tremblements de terre. Et il se trouve que le sismologue en question se trouvait dans les locaux de l'Institut de l'énergie nucléaire où travaillait le professeur Hernandez. Et quand elle est arrivée à la réception pour aller voir la secrétaire et demander audience avec le sismologue, elle a tendu sa carte.
Et sur la carte, Hernandez, qui passait par là et qui devait attendre quelque chose de la secrétaire et qui était postée à côté d'elle, va voir sur la carte de visite que cette journaliste est la directrice d'une revue qui s'appelle OVNI. Voilà. Immédiatement, il va lui dire « Écoutez, madame, je voudrais vous parler. Est-ce que je peux avoir un petit entretien avec vous ?» Et il va commencer à lui poser deux, trois questions. Puis il va lui dire « Écoutez, pouvez-vous venir me voir à mon bureau ? J'ai besoin de vous parler. » Donc, une semaine plus tard, la journaliste, ufologue, va rencontrer, ça se passe en 1979, le professeur Hernandez à l'Université de Mexico, dans son bureau, où il occupait de très hautes fonctions à l'époque, et c'était pas n'importe qui. Hein. Elle va dire, cette dame, que quand elle est arrivée dans le bureau de ce monsieur, il a regardé comme ça, complètement muet, immobile, et elle a eu l'impression qu'il lisait dans ses pensées. Ça lui a fait un drôle d'effet. Et alors qu'elle s'apprête à lui poser des questions, eh bien c'est lui qui va la bombarder de questions. Il va lui demander si elle croyait aux ovnis, si elle connaissait des personnes qu'on avait vues, si elle connaissait des gens qui s'étaient baladés dans des vaisseaux. Elle va répondre précisément à toutes les questions qu'il va lui poser. Et d'un seul coup, elle va voir le professeur se lever d'un bond, allumer une cigarette, balancer un grand coup sur la table et va lui dire d'un seul trait « J'ai voyagé dans un vaisseau. Je me suis lié d'amitié avec une femme disant venir du système galactique d'Andromède. Au début, je n'y croyais pas, pas du tout même. » Et puis, il va le planter là. Il lui dit « Écoutez, j'ai affaire. Je ne vous en dis pas davantage. Au revoir, madame. Prenez un autre rendez-vous. Il faut qu'on se revoie. » En fait, il est sous le choc. Sous le choc d'avoir réussi à parler. Et puis, 8 jours plus tard, la journaliste revient. Et elle lui dit, vous savez, professeur, vous avez une histoire certainement extraordinaire. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on écrive un livre ? Vous allez me raconter tout ça. Lui dit, écoutez, ça ne servira pas à grand-chose. Vous savez, ma position est délicate, je suis quelqu'un d'important. On ne me croira jamais. Et puis, j'ai des enfants qui travaillent pour le gouvernement. Donc, c'est pas évident. Hésita Rodriguez, Montiel, va prendre quelques notes. Et puis, il va avoir la gentillesse ce jour-là de lui amener quelques parties de son journal. Et elle va commencer aussitôt à rédiger un livre. Et puis, juste avant de partir, le professeur va lui faire un petit peu de peine. Il a l'air très ému. Et puis, il lui avoue quelque chose. Il dit, de temps en temps, vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression de perdre le fil avec la réalité. Je me demande bien ce qui m'arrive. Quelque temps plus tard, elle va revenir et elle va lui lire d'un seul trait tout ce qu'elle a écrit de l'histoire. Et voilà que le professeur Hernandez sanglote. Il est effondré. Je me demande ce qu'il a, lui dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Ah, il lui dit, mais j'ai pas peur, j'ai rien du tout. Je suis soulagé, je suis heureux, j'ai enfin pu parler à quelqu'un. Je n'en peux plus, à chaque fois que j'essaie d'en parler à quelqu'un, on me rembarre, puis je peux en parler à personne dans ma position, c'est épouvantable. Vous, au moins, vous me comprenez. Je suis heureux. Alors, elle va, dans le courant de l'année 1979, publier un premier article dans une revue qui n'est pas la sienne, dans une autre revue. Il y en aura 3 pages et ça s'appelle « J'ai voyagé dans un ovni ». Alors, évidemment, ce n'est pas le nom du professeur Hernandez, hein, il y a un pseudo. À la suite de ça, il y aura d'autres échanges. Et puis, un jour, il va lui dire « Vous savez, j'ai tenté à plusieurs reprises de photographier l'IA. Alors, je vous envoie par la poste un cliché. » Donc, elle va recevoir un cliché. Il va lui dire que c'est très mauvais, effectivement, parce que c'est flou. Et elle va recevoir un cliché où on voit quand même très bien une forme humaine, mais complètement de lumière, une forme de lumière. Et il lui dira « Écoutez, ne la perdez pas, c'est la seule preuve que je détienne de ce que je ne raconte pas d'ânerie. Et bien sûr que je suis d'accord pour que vous publiez le livre sur moi que vous êtes en train d'écrire. » Je crois qu'il y a des choses à dire. En fait, il était obsédé, ce professeur Hernandez, par les messages d'alerte et d'avertissement que lui avait transmis l'IA. Il voulait absolument que ça se sache. Et puis, un jour, ça sera le silence. Zita Rodriguez Montiel n'arrive plus à retrouver la trace du professeur. Impossible à joindre, il n'est plus à l'université, il n'est plus nulle part. Donc, elle va faire, elle s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe ? Elle va faire paraître dans les journaux des annonces codées qui disent la chose suivante, et il n'y a que lui qui puisse comprendre. L'IA est arrivée d'Ingstria, rappelée d'urgence Zita.
ça tombera comme une pierre dans l'eau. Il n'y aura jamais de nouvelles du professeur. Elle finira par se rendre à son domicile, à Tecamachalco. Et là, mauvaise surprise, on lui annonce... ça, c'est dans le courant de l'année 82. Elle l'a pas vu depuis un moment. Hein. Et on lui dit, mais le professeur a vendu sa maison, il habite plus ici. On ne sait trop comment elle arrivera à retrouver sa femme, avec laquelle elle va avoir un entretien. Madame n'est pas très loquace, très hostile. Elle ne veut surtout pas entendre parler d'histoire d'extraterrestre. Elle ne croit pas un mot de tout ça, évidemment. Elle va dire qu'à un moment, effectivement, son mari ne rentrait plus le soir, plus la nuit, il n'était plus jamais là, d'ailleurs. Que, bon, elle a bien compris qu'il devait avoir une copine. Hein, et du coup, ils se sont séparés et chacun sa vie. Zita Rodriguez Montiel dira que cette dame était pas très agréable et en fait folle de jalousie. Elle a absolument pas du tout écouté ce que lui disait son mari. Enfin, elle saura quand même par la femme que celui-là est parti à Cuenca. Mais quand elle va poursuivre ses recherches et quand elle va arriver là-bas, eh bien, elle va apprendre qu'en fait, il était hospitalisé en 1982 pour une très grave brûlure au genou. Mais elle va apprendre également par la même occasion que quand il est arrivé avec cette très grave brûlure au genou, bah, il a expliqué au personnel de l'hôpital que c'est en descendant d'une soucoupe volante qu'il s'était fait ça. Évidemment, la famille va être au courant et sa femme, puisqu'ils ne sont toujours pas divorcés, va immédiatement le faire interner. Donc, il va se retrouver pendant 4 mois, le pauvre homme, dans l'unité psychiatrique de l'hôpital, à la demande expresse de sa dame, qui se venge visiblement. Sauf que l'ufologue va apprendre quoi ? Bah que la blessure aurait guéri inexplicablement à une vitesse remarquable, complètement époustouflant pour les médecins. Et surtout, les psychiatres vont se rendre compte que cet homme n'est pas fou, qu'il est parfaitement sain d'esprit, qu'il ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique. En attendant, on va quand même le garder 4 mois. Quand il va sortir de là, il va retourner vivre chez sa femme. Et toute sa famille témoignera qu'il avait complètement changé, qu'il n'était plus le même homme, qu'il devenait de plus en plus renfermé et taciturne. Bah forcément, vu l'ambiance, il avait mis à l'hôpital psychiatrique, il n'avait peut-être pas envie de rire aux éclats. Hein. Ils vont ajouter qu'il continuait à délirer de temps en temps et qu'il parlait de ses rencontres avec des extraterrestres. Alors évidemment, tout le monde rigolait dans ces cas-là. Mais elle, elle l'a vu, Zita. Elle a partagé des moments avec lui, elle a écrit, il y a eu des correspondances. C'est très bien que cet homme n'est pas fou. Puis elle va apprendre la mauvaise nouvelle un jour. 2 ans plus tard, l'homme a quitté un beau matin la maison, il a laissé ses papiers, sa montre, ses lunettes, tout. Dans la matinée, on le reverra un petit peu plus tard sur un banc, l'air très triste, et on ne le reverra jamais. Le professeur Hernandez, ce jour-là, de 1982, a disparu définitivement de la circulation. Il va y avoir des policiers qui vont enquêter, il va y avoir des enquêteurs, des privés, des détectives missionnés pour essayer de retrouver sa trace. Son épouse, acariâtre, va être un temps soupçonnée d'assassinat par les services de police. Finalement, l'enquête sera classée sans suite. On ne retrouvera jamais la trace, ni aucun indice, ni aucun cadavre du professeur Hernandez. Quand l'ufologue Rita Rodriguez essaiera une ultime fois d'interroger son épouse sur cette histoire d'extraterrestre, elle se fera encore jeter une fois de plus. Elle lui remettra quand même quelques notes en lui disant qu'elle a détruit tout le reste et que si elle veut retrouver la suite du dossier, elle le trouvera. Au commissariat de police, il faut qu'elle se débrouille avec les policiers parce qu'elle a donné toutes les notes aux policiers, tout ce qui restait. Cette ufologue Zita Rodriguez Montiel dira qu'elle espère de tout son cœur que ce gentil professeur Hernandez, qui a véritablement certainement vécu une sacrée histoire, est parti avec ses amis stellaires sur Andromède avec la jolie Lia. C'est tout ce qu'elle lui souhaite. En tout cas, peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas, mais on ne l'a jamais retrouvé. C'est quand même une histoire de fou. Alors, elle publiera dans un premier temps, dans une version espagnole, un livre qui raconte l'histoire. Cette première publication ne va pas avoir grande audience, mais il va y avoir
un homme qui s'appelle Wendell Stevens, qui a beaucoup enquêté sur différentes histoires d'abduction. C'est un Américain qui était un ancien militaire et qui a beaucoup enquêté sur ces histoires d'OVNI par la suite. Et ils vont co-écrire un livre qui raconte donc l'histoire en langue anglaise du professeur Hernandez, qui s'appelle UFO Contact from Andromeda. Et on le retrouve facilement, on peut l'acheter sur Amazon ou sur le net, assez couramment, il est toujours publié. Et la première édition de cette co-écriture date de 1989. Voilà. J'espère que cette histoire est belle, à la fois belle et triste, du professeur Hernandez vous aura intéressé, mais avouez quand même que c'est un cas peu banal. Eh bien, oui, quelle belle histoire, Elisabeth. Vraiment très passionnant. Hein. Oh, yeah, yeah. Vous nous avez emmené très loin, hein, on peut dire, voyager carrément sur d'autres planètes. Très, très loin. Hein. C'est vrai, c'était très passionnant. Et j'ai envie de vous demander, mais à quand l'écriture d'un livre avec ce genre de récit ? Mais je suis en train d'écrire et ça sera dans mon premier bouquin, celui-là. Je suis en train de réécrire, j'avais écrit tout et puis je suis en train de réécrire là depuis un mois et demi. J'ai déjà réécrit 180 pages, je ne fais plus que ça, je suis fatiguée. Ah oui. Ah bah ça, mais je voudrais qu'il sorte avant l'été. Après, j'en ai 3-4 autres en stock. Je vais parler beaucoup d'abduction. Bon, alors ce sera l'occasion de revenir dans l'émission hein, pour parler de ce livre. Bon, écoutez, avec plaisir. En tout cas, ça sera toujours un plaisir de venir vous voir parce qu'on s'entend bien. On a passé un bah moment. Oui, en plus, c'est vrai. Bah oui, on a bien parlé avant, on va peut-être parler après. On ne se connaît pas plus que ça, c'est vrai. On ne se connaît pas beaucoup, mais le contact passe très, très bien. Voilà, c'est parfait. Et puis, nous avons des amis en commun, en plus. Hein, des en amis plus. Jean Libréro, tout ça. Plus bon. Eh oui. Bon ben c'est très bien. Merci beaucoup, Elisabeth. Eh ben écoutez, Olivier, c'était avec plaisir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et je souhaite à tous une bonne fin de soirée, une bonne nuit et ne rêvez pas trop hein, quand même. Enfin, pas de trucs désagréables. Avec plaisir. Merci. Au revoir et puis à la prochaine. Avec plaisir. Au revoir.